Donc, bonjour tout le monde. Il est 9h02. Les gens ont l'air d'être pas mal arrivés en général. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Électrifier sa flotte de véhicules, Municipalité des Laurentides. C'est un webinaire qui se donne dans le cadre de la campagne Roulons électriques, qui est organisé par le CRE Laurentide. Et c'est moi, Anne-Sophie Mona, qui vais animer aujourd'hui ce webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le Conseil régional de l'environnement des Laurentides, on est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1995. On travaille sur l'entièreté du territoire des Laurentides. Et puis, on travaille sur plusieurs sujets, comme il y en a beaucoup qui nous connaissent là, pour au niveau des lacs. On travaille aussi là, en changement climatique, mobilité durable, gestion des matières résiduelles, éco-responsabilité. Donc, voilà. Puis, ce webinaire-là fait partie d'un avant-midi d'un événement en fait en deux volets. Donc, le webinaire est le volet 1 qui va durer jusqu'à 10h45 environ. Ensuite de ça, on a une petite pause de 15 minutes et à 11h, pour ceux qui le désirent, on a le volet 2 qui est le lancement d'un projet régional qu'on lance qui s'appelle Climat de changement. Donc, c'est un projet dans lequel il va y avoir des accompagnements pour les municipalités de possible. Donc, on va parler plus là, de changement climatique et de mobilité durable, en plus de voir, là, de pouvoir répondre à vos questions sur comment on peut accompagner les municipalités. Donc, tous ceux qui le désirent, là, vous allez pouvoir rester pour ce volet 2. Donc, le webinaire d'aujourd'hui se donne en partenariat avec l'Institut du véhicule innovant, qui sont nos experts techniques aujourd'hui, ainsi que la Ville de Prévost et Living Lab Laurentides. Comme je vous disais, ça se donne le webinaire dans le cadre de la campagne Roulons électriques d'Équitaire. C'est une campagne qui fait la promotion et l'éducation au niveau des véhicules électriques et qui est coordonnée par Équitaire avec le soutien financier de Transition énergétique Québec et qui est appuyé par divers acteurs comme l'ALEC, par exemple. Donc aujourd'hui, on va parler, on va avoir un volet plus technique pour commencer. Donc les bases du véhicule électrique, ensuite les véhicules électriques pour les municipalités, les MRC, ensuite de ça, la recharge. Et ça va être suivi, ce bloc plus technique, par deux expériences pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire en contexte municipal par rapport avec les véhicules électriques, dans le fond, pour aller un peu plus loin que les véhicules traditionnels. Et on va terminer rapidement avec les outils, les formations, les subventions qui existent pour vous aider dans l'électrification de vos flottes municipales. Donc, je vais passer la parole à Charles Trudel, qui travaille à l'Institut du véhicule innovant. Charles gère des projets d'implantation de véhicules électriques et de déploiement technologique depuis 2019 au sein de l'IVI. Polyvalent et grand communicateur, il a développé une expertise dans l'électrification des flottes de véhicules et dans le service conseil pour les entreprises privées et les municipalités. C'est donc la personne toute désignée aujourd'hui pour vous parler du volet technique en lien avec l'électrification d'une flotte municipale. Donc, je te passe la parole, Charles. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Bonjour à tout le monde. Donc, c'est ça, Charles Trudel, ingénieur mécanique chargé de projet à l'Institut du véhicule innovant. Tout d'abord, merci au CRE de Laurentides, merci à Équitaire aussi pour la campagne Roulons électriques.
Ça fait toujours plaisir, là, comme ça, de prendre parole dans des événements, là, qui s'inscrivent dans le cadre de Roulons électriques. Toujours très pertinent pour tout le monde, nous, et je l'espère pour vous aussi. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de l'électrification de votre flotte de véhicules municipaux. Avant de commencer, rentrer dans le cœur de ce sujet-là, je vais vous parler un petit peu de l'Institut du véhicule innovant, donc l'IVI. On peut aller, ouais, à la prochaine diapositive. Si vous ne nous connaissez pas, nous, on est situé à Saint-Jérôme. Puis avant que vous posiez la question, ici derrière moi, là, c'est un fond d'écran, là, c'est la maquette en fait de notre nouvelle bâtisse, là, qui va être elle aussi à Saint-Jérôme, qui est présentement en construction, puis qui va être achevée donc au printemps 2022, printemps prochain. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur processus d'innovation. On les aide à développer, déployer de nouvelles technologies véhiculaires. On est dans les domaines des véhicules électriques, autonomes et connectés. Des fois, ça peut se retrouver dans le même véhicule. On peut avoir un véhicule électrique et autonome et connecté. Et puis, donc, le slogan, votre allié pour vous aider à innover. Plus concrètement, ce qu'on fait, c'est de la recherche appliquée, de l'aide technique et puis de la formation et information aux entreprises. L'IVI, ça existe officiellement depuis, je crois que c'est 5 ans, on a passé 5 ans l'année passée, donc là, logiquement, on doit être rendu à 6. Mais auparavant, c'était, en fait, c'est né de la fusion de deux centres de recherche, le CNTA et l'ITAC, qui œuvraient, en fait, dans le domaine de l'électrification des transports depuis maintenant, si on compte, là, ça ferait plus que 20 ans. Là, vous allez me dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passait en électrification des transports il y a 20 ans, et vous avez tort. Il y a des choses qui se passaient en électrification des transports au Québec il y a 20 ans. Justement, c'était des petits centres de recherche qui ont évolué, puis éventuellement fusionné pour former l'IVI qu'on connaît aujourd'hui à Saint-Jérôme depuis, comme je disais, 6 ans. Donc, dans les 5 dernières années, on a réalisé plus que 300 projets novateurs. On est assez central au Québec, là, dans l'électrification des transports. La grosse majorité des projets qui, dans les récentes années, là, qui sont sortis du Québec ou des nouvelles startups dans l'électrification, la plupart ont transité à une étape ou à une autre par l'Institut du véhicule innovant. On est des fois un peu dans l'ombre, mais on essaie d'aider le maximum d'entreprises. C'est notre mission. On est un OBNL, je ne l'ai pas dit, un organisme à but non lucratif. On est un centre de recherche accrédité par le CRSNG. Et puis aussi, on a le statut de CCTT, Centre collégial de transfert technologique. Dans notre cas, nous, on est affilié avec le Cégep de Saint-Jérôme. Donc, présentement, on est plus que 40 employés. Des ingénieurs en mécanique, en électrique, logiciel, en robotique, des experts de toutes sortes en la technologie véhiculaire, vision artificielle, batterie, ici, en électrification de parc de véhicules. Moi, c'est ma spécialisation, c'est ce que j'aime le plus, gérer des projets d'électrification de flotte de véhicules. Donc, on peut avancer à la prochaine diapo. C'était simplement pour continuer un petit peu dans le contexte, là, l'ancienne bâtisse en haut à gauche, bien, qui est la bâtisse actuelle à Saint-Jérôme, et puis la nouvelle qui est en cours de construction. Et là, notre belle équipe de 40 et plus employés sur le chantier en cours de construction. Là, ça a été pris à l'automne, peut-être je crois que c'était, ouais, mi-septembre. Donc, on a bien hâte d'avoir assez de place. Là, on est rendu une assez grosse équipe. On manque de bureaux présentement, donc on a hâte de tous avoir un bureau dans la nouvelle bâtisse l'an prochain. Et puis, donc, ça, c'est une nouveauté, la nouvelle bâtisse. Mais il y a aussi une autre nouveauté cette année, c'est la mise sur pied d'un nouveau groupe, un nouveau service à l'IVI qui s'appelle le groupe Applications technologiques, dont je fais partie. Et puis là, notre but, c'est d'accompagner les entreprises dans l'adoption des nouvelles technologies, puis de faire la mise en application concrète dans des conditions d'opération réelles. Donc, typiquement, l'IVI, ce qu'on faisait, c'était ce qu'on fait encore, là, c'était plus de la recherche appliquée, du développement de prototypes, de l'assemblage, aider les compagnies à mettre sur pied des produits, les lancer, les faire opérer, les déboguer, faire des tests. Là, on va un petit peu plus loin. On prend même des technologies qui sont matures, qui sont mûres, qui fonctionnent, et on prend des projets où est-ce que le projet en soi, c'est de mettre ces technologies-là en opération dans des flottes. Puis là, des fois, on prend un produit qui fonctionne, puis de le mettre en opération, d'en prendre 10 identique, ben là, ça fait un projet, ça fait quelque chose qui a des risques de ne pas fonctionner. Donc, c'est là qu'on intervient. C'est quand il y a un risque qu'on veut des gens pour nous aider à résoudre le problème. Donc, voilà, c'est dans la mise en application. Donc, plus concrètement, ce qu'on fait, oh, je vais juste revenir un peu, désolé. Projet pilote en électrification de flotte.
les études techniques, l'accompagnement, on permet d'essayer des nouvelles technologies. On fait du transfert d'expertise, des formations, des conférences comme ce matin. Nos clients, c'est des entreprises privées, municipalités, ministères, organisations, Hydro-Québec, des fabricants de véhicules ou de technologies véhiculaires, là, donc des accessoires ou des choses qui se greffent sur un véhicule existant. Merci. Voilà. Aujourd'hui, mon but, c'est de vous outiller, vous, les villes, municipalités, organisations, merci, dans la planification de votre projet d'électrification de votre flotte de véhicules. Donc, on va parler au début des bases. J'ai coupé ça en trois blocs, on pourrait dire, là, tout le monde, pour qu'on parle le même langage. On va parler des types de véhicules zéro émission, le contexte québécois, le langage VE, ça c'est déjà un acronyme, véhicule électrique, les avantages et les particularités des véhicules zéro émission, des véhicules électriques. On va parler de l'offre de véhicules électriques pour les municipalités. Ça, c'était ce que vous avez demandé. C'était vos besoins. J'ai rajouté quelque chose que je pense que vous devez connaître absolument, parce que vous allez voir, c'est vraiment c'est le noyau, là, c'est le cœur de votre projet d'électrification, si vous ne savez pas encore, c'est la recharge. C'est vraiment là que ça peut se complexifier si vous ne prévoyez pas d'avance. Donc, je me devais de vous parler de recharge aujourd'hui. On va parler de l'implantation des bornes pour les véhicules de la ville, donc des bornes privées, on pourrait dire, puis des bornes publiques aussi pour vos citoyens. À la toute fin, je vais passer peut-être un 5 minutes, je vais vous inviter à participer à un projet qui concerne les camions lourds électriques là, qu'on lance cette année à Lévis. Avant de commencer, ça fait plusieurs fois que je dis ça, hein, je commence avec une pub. On va pas bien. Oh. J'ai essayé, désolé. Je vais vous montrer notre guide. De toute façon, vous avez l'image. Hein? Le guide pour l'électrification d'une flotte de véhicules, c'est un guide là, qui se trouve en papier avec la cape d'invisibilité Harry Potter, mais aussi en ligne, en format PDF, évidemment, gratuitement, sur notre site evsolutions.ca/flotte-rechargeable. C'est un guide qui est une bonne première lecture là, si vous songez à vous lancer dans l'électrification de votre flotte de véhicules. Ça résume en gros là, les 5 volets qui sont là à gauche, ça montre comment ils sont interconnectés. Souvent, les gens pensent que bon, c'est pour réduire les GES, pour réduire les coûts, ils vont aller vers les véhicules électriques, puis le projet, ça va être de choisir des véhicules. C'est un peu plus complexe que ça. Tous les volets sont interconnectés. Donc, je n'en dis pas plus, vous irez lire le guide. Donc, voilà. On commence en donnant les bases, catégories de véhicules zéro émission. On parle le même langage. 3 catégories de véhicules zéro émission. Non, c'est un piège, il y en a seulement 2. La dernière en bas, vous allez voir, les hybrides réguliers, qui ne sont pas des hybrides rechargeables, ne sont pas des véhicules zéro émission. Donc, je commence en haut. Les véhicules 100% électriques, on les connaît tous, c'est ceux qui font le plus parler présentement. Nombre de modèles au Québec, si vous ne le saviez pas, c'est loin d'être seulement les Tesla Model 3, les Bolt et les Leaf. Il y en a plus que 30. Les autonomies actuelles sont de 200 à 600 km. Il y en a 63 000 véhicules comme ça au Québec actuel. Les hybrides rechargeables, véhicules qui peuvent rouler 100% électrique sur une certaine distance. Ils ont une autonomie électrique qui est beaucoup plus faible qu'un véhicule 100% électrique. Une fois que l'autonomie est épuisée, c'est un moteur à combustion interne traditionnel qui prend le relais, qui démarre, puis là, on roule à l'essence. Donc, pour une autonomie totale qui peut aller jusqu'à 1000 km dans certains cas. Il y en a 47 000 véhicules comme ça au Québec. Et les véhicules hybrides, qui sont parfois confondus ou qui sont inclus dans la catégorie des véhicules propres. C'est discutable, à mon avis, ne devrait pas, parce que effectivement, ça peut rouler en mode 100% électrique. Le moteur peut être éteint, le véhicule peut se déplacer sans émission, temporairement, sans bruit. Sauf qu'ultimement, ce qui a servi à recharger les petits battery packs dans ces véhicules-là, c'est la combustion du pétrole. Donc, en bout de ligne, ils ne sont pas zéro émission, même si momentanément, le moteur n'est pas allumé. L'énergie vient de la combustion. Donc, dites-vous que tant que le véhicule n'est pas branché dans le mur ou dans une borne, à un moment donné ou à un autre, bien, le véhicule n'est pas électrique. Donc, juste cliquer, on va afficher le... On oublie ça, les véhicules électriques, on n'en parle pas aujourd'hui. Bien, moi, je n'en parle pas aujourd'hui dans ma présentation. Et puis, donc, l'interdiction là, qu'on connaît, canadienne et québécoise, là, l'interdiction de la vente de véhicules à essence neuf à partir de 2035, ça concerne les véhicules hybrides. C'est-à-dire, donc, qu'on va avoir encore des véhicules électriques, des véhicules hybrides rechargeables, mais plus de véhicules hybrides, côté des véhicules légers en tout cas. Contexte des véhicules zéro émission au Québec. Pour vous donner le contexte, encore, vous voyez la courbe emballée. Les véhicules électriques, là, plus concrètement, là, ça a commencé à partir de 2011, 2012, 2013, on a commencé à comptabiliser les chiffres. Ça, c'est du
l'AVEC, l'Association des véhicules électriques du Québec. Et puis là, présentement, on est à 117 000 véhicules au Québec sur un parc de véhicules légers, de promenade et commerciaux d'environ 5 millions de véhicules au Québec. Ce qui veut dire qu'on est à peu près à 1,9-2 %, dépendamment de ce qu'on compte exactement, là. On est aux alentours de 2 % du parc de véhicules du Québec qui est électrique présentement. La volonté gouvernementale et puis les actions qui sont mises en place pour y arriver, là, c'est d'avoir 600 000 véhicules en 2026, 1,5 million de véhicules en 2030 pour environ donc 30 % du parc de véhicules du Québec. Et puis 2035, ben là, comme j'ai dit, tout le monde en connaît maintenant l'interdiction de vente de véhicules à essence. Pas pour dire que ça s'en vient, que vous le voyez ou non. Et puis, tant qu'à moi, c'est une bonne chose. Où est-ce qu'ils sont ces véhicules-là au Québec? Encore là, c'est des données de l'Association des véhicules électriques du Québec. Et puis, je voulais vous les montrer parce que c'est encourageant pour vous et Laurentides. Vous êtes en 5e place, le saviez-vous, avec 1,82 % de vos véhicules, de votre parc de véhicules qui est dans les Laurentides, et zéro émission, donc soit 100 % électrique, hybride rechargeable. Le langage. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle à propos des unités. Il y a beaucoup de confusion encore aujourd'hui. Je n'aimerais pas le nom, là, mais des journalistes, des chroniqueurs automobiles, des gens qui sont spécialisés, qui se mélangent encore beaucoup dans les unités. Donc, moi, j'en profite chaque fois que j'ai l'occasion là, pour faire un petit rappel, un petit cours de science de 5 minutes. Là. Des kilowattheures, c'est ça qu'on utilise pour caractériser l'énergie. On peut s'en servir pour décrire la taille d'une batterie. Ça pourrait remplacer les litres un peu, on pourrait dire. Je pourrais dire, dans mon véhicule, j'ai un véhicule d'une capacité de 50 litres, puis il me reste 25 litres. Donc, il y aurait de la place pour un autre 25 litres. C'est la même chose. C'est les kilowattheures qu'on utilise. En fait, c'est de l'énergie électrique carrément. Là, au lieu d'utiliser une unité de volume, on prend les kilowattheures. Donc, une batterie, par exemple, peut être de 62 kilowattheures. Un trajet peut demander 10 kilowattheures. On peut faire une recharge de 5 kWh. Et puis donc, la consommation énergétique, au lieu de dire des litres au 100 km, on utilise des kWh au 100 km. Des fois, on voit aussi le water au kilomètre. C'est l'équivalent. Là. En fait, ça serait comme de dire j'ai utilisé des millilitres au kilomètre au lieu des litres au 100 km. Peu à peu, l'industrie tend à... l'industrie est pas mal d'accord sur les kWh au 100 km. Dans la communauté scientifique, il y a encore des adeptes du water au kilomètre. Ce qui fait qu'il y a des débats chez nous à l'IVI. En tout cas. Et puis là, c'est là que c'est important, c'est les kilowatts. Les kilowatts qui ne sont pas des kilowattheures. Des kilowatts, c'est un échange d'un kilowattheure pendant une heure. C'est une vitesse, en fait. C'est la vitesse à laquelle on échange des kilowattheures. Donc, si on échange 50 kilowattheures pendant une heure, c'est une vitesse de 50 kilowatts. Ça peut être utilisé pour caractériser la sortie des véhicules, donc la puissance. Les kilowatts, c'est la puissance du moteur, mais c'est aussi la rentrée. L'entrée de l'énergie dans le véhicule, donc on l'utilise souvent pour parler de la recharge. Une recharge de 50 kW, c'est plus rapide qu'une recharge de 7 kW. Donc, si vous prenez les kWh, une énergie, vous divisez ça par le temps de la recharge, on enlève les heures, on soustrait, c'est le petit cours de séance. Pas on soustrait, mais on biffle, on les enlève, ça donne des kilowatts. Donc, voilà. Et ce n'est pas non plus des kilowatts par heure, c'est pas la même chose. Continuons. Je vais vous parler des avantages des véhicules électriques. Je vous les rappelle, vous les connaissez probablement tous, mais quand même, si jamais, peut-être en prendre un ou deux. Ils sont propres, zéro émission à l'utilisation, je vais y revenir. Silencieux, économique à opérer. L'entretien est moins coûteux, mais surtout moins fréquent. Ça, c'est encore plus avantageux. Confortable, il y a l'absence de vibration, il n'y a pas de transmission, donc il n'y a pas d'à-coup là, pendant les changements de rapport. Très agréable à conduire, je pense que tout le monde est d'accord. Pas d'arrêt à la pompe quotidien, plein à chaque matin. Ça dépend des scénarios, mais c'est ce qu'on vise. La gratuité de certains ponts, stationnements, voies réservées, traversées, c'est peut-être applicable sur votre territoire, peut-être moins, dépendamment des politiques là, qui sont dans votre coin, en fait. Là. Et puis, l'image verte de la ville ou de l'entreprise. Dans votre cas, il y a le souci de l'exemplarité de l'État. Et puis, contexte, le transport est responsable à lui seul de 43 % des émissions de GES du Québec. Ce qui en fait le secteur d'activité le plus polluant de la province. Intéressant si vous ne le saviez pas. Et puis là-dedans, encore plus frappant, dans ce secteur-là du transport, c'est le transport routier qui a engendré à lui seul 79,6 % des émissions du secteur. C'est pour ça qu'il y a, entre autres, autant de volonté politique
gouvernementale envers l'électrification des transports, c'est que, pour utiliser un buzzword à la mode, là, c'est le low-hanging fruit. C'est-à-dire que c'est une solution qui est mûre, là, encore dans l'analogie du fruit, mais c'est une solution qui est mature, qui est à notre portée. Si ce n'est pas là déjà technologiquement, ça va l'être dans les prochaines années, puis les impacts peuvent être très positifs, très grands. Ce qui fait qu'à relativement peu de frais, on peut réussir à sauver beaucoup de GES du Québec. C'est pour ça qu'on se concentre autant là-dessus. Pour que ça fonctionne, les véhicules électriques, ça va être environnemental, il va y avoir tout plein de bénéfices auxiliaires, on pourrait dire. Là, la condition réelle numéro un pour que ça fonctionne, que ça soit viable en entreprise ou dans des municipalités, c'est d'avoir des coûts totaux de possession qui sont faibles, donc plus faibles que des véhicules à essence. Donc, la clé, c'est d'identifier les bons véhicules, ceux qui vont vous donner un CTP qui peut être exprimé en dollars par kilomètre, qui est plus bas qu'un véhicule à essence. Donc, ça part avec l'acquisition et la subvention. On ajoute l'énergie sur toute la durée de vie. On ajoute l'entretien sur toute la durée de vie du véhicule. On soustrait la valeur de revente. C'est l'équation simple. Pour faire le vrai calcul, il faut annualiser le flux monétaire. N'entrons pas là-dedans. C'est le grand principe que je vais vous montrer ce matin. Et puis donc, trouver des véhicules de votre flotte qui permettront un CTP plus faible qu'un comparatif à essence, c'est la clé pour que ça fonctionne. Là, les gens, souvent, ça va bloquer à l'argument numéro un. Ils vont dire, bien, l'acquisition. Ça ne marche pas. L'acquisition, là, les véhicules électriques, c'est beaucoup trop cher, c'est réservé aux riches. C'était peut-être vrai il y a quelques années, mais vous n'avez pas fait le tour du côté des listes de prix récemment. Je vous en propose une à la prochaine diapo. C'est issu là, d'une étude là, de la chaire de gestion du secteur de l'énergie du HEC Montréal. Une étude qui a été publiée en 2021 avec des chiffres 2020. Je n'ai pas pu m'empêcher. À droite, il y en a deux qui me sautaient aux yeux, donc j'ai fait une petite mise à jour quand même parce qu'il y a eu une baisse de prix assez significative. Mais donc, déjà dans les modèles 2020, il y avait certains cas où est-ce que le coût d'achat du véhicule électrique était déjà moins cher que le véhicule à essence. Donc, la rentabilité, en théorie, pourrait commencer jour 1. C'est sûr qu'il faut inclure le coût de l'infrastructure des bornes de recharge dans cette analyse-là. Mais quand même, le surcoût, là, il est de plus en plus faible. Des fois, il est non existant carrément quand on regarde le prix d'achat du véhicule. Voilà. Maintenant, toujours sur l'argument monétaire, là, des coûts totaux de possession. Tout le monde le sait, les véhicules électriques, ça coûte moins cher à opérer, ça coûte moins cher en énergie, mais je voulais quand même le chiffrer si vous ne connaissiez pas l'amplitude. Là. C'est assez frappant. Là, j'ai mis des consommations typiques pour des véhicules commerciaux. Vous allez me dire que 10 litres au 100 km, il y a beaucoup de vos véhicules qui consomment moins que ça, mais j'ai mis 20 kWh au 100 km. Il y a également beaucoup de véhicules électriques qui peuvent consommer moins que ça. Véhicule d'un particulier, là, ça peut consommer 16, 17, 19 kWh au 100 km. Dans un contexte commercial avec du cargo, avec du chauffage, tout ça, on les utilise de façon un petit peu plus intense. On est toujours à des consommations un petit peu plus élevées. Donc, et puis j'ai été gentil en plus pour le véhicule à essence. J'ai mis un prix de l'énergie de 1,30 $ par litre. Vous savez comme moi que c'est expensive. On est un petit peu au-dessus. Puis j'ai mis 10 sous par kWh, 0,1 $ par kWh. Donc, on multiplie ça, puis ça nous donne 13 sous par kilomètre versus 2 sous par kilomètre. C'est donc une réduction de 85% des coûts en énergie. Vous irez voir chez vous dans votre sur votre bâtisse, là, sur votre facture hydroélectrique pour vous renseigner sur votre tarif. Ce n'est pas nécessairement le 10 sous par kilowattheure, ça va être proche de ça. Là. Vous ne serez pas au double. Mais avant de faire un calcul précis, mais je vous donne quand même juste un barème. Là, c'est à peu près ça, le 80-85%. La réduction des coûts en énergie. Un autre élément qui est intéressant pour une municipalité, avec la figure du bas, là, ouais, merci. Donc, un élément qui est intéressant pour une flotte, c'est la prévisibilité des coûts en énergie. Les coûts là, de l'essence, on ne sait pas exactement où ça s'en va. Vous avez vu, là, ça s'est emballé dans les derniers mois. Il y avait une baisse durant la COVID. Donc, sur un horizon de 10 ans, c'est un peu difficile de prévoir les coûts en essence d'un véhicule à essence, en fait. Là. Puis, donc, c'est beaucoup plus facile de le prévoir avec un véhicule électrique. Il y a des hausses, je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas. Là. Il y en a eu récemment, des hausses du côté d'Hydro-Québec, mais c'est de l'ordre de quelques pourcents. Surtout, c'est prévu d'avance. Donc, un autre élément qui fait que votre projet est un petit peu prévisible avec les véhicules électriques. Les économies sur l'entretien. En fait, il y a beaucoup moins de pièces. C'est
C'est un fait. Un véhicule à essence, c'est constitué, excusez, un moteur à essence, c'est constitué de 200 à 250 pièces. Ça dépend des moteurs, là. Un moteur électrique, beaucoup moins. Il y a beaucoup de pièces qui sont statiques, il y a moins de friction. En fait, ce n'est pas basé sur une explosion de carburant dans des cylindres, là. Donc, en soi, c'est un petit peu plus doux pour la machine, là, le moteur électrique. Il y a beaucoup de composants qui sont absents, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de pot d'échappement, pas de liquide de refroidissement. L'usure des freins, beaucoup moins grande parce que le véhicule électrique a, tous les véhicules électriques ont ce principe-là, le principe de freinage régénératif. C'est-à-dire que quand vous allez freiner, il y a un certain pourcentage de l'effort de freinage qui est effectué par le moteur électrique lui-même. Son comportement peut être renversé. En fait, ça sert d'aimant pour retourner de la batterie, retourner l'énergie dans la batterie du véhicule, donc accumuler l'énergie cinétique du véhicule, le faire ralentir, puis retourner de l'énergie dans la batterie. Donc, ça use moins les freins mécaniques, donc il y a moins d'entretien côté frein. Il n'y a pas de changement d'huile non plus. Les données, ça provient principalement des véhicules légers, parce que, pour la simple et bonne raison, que c'est ces véhicules-là qui roulent présentement sur nos routes depuis 10 ans, donc on a beaucoup, beaucoup de données. Du côté des véhicules moyens et lourds électriques, on a des données, mais pas encore assez pour faire une grosse étude, puis agglomérer ça dans une statistique aussi percutante que l'économie sur l'entretien d'environ 50 %. En tout cas, côté IVI, on se garde une petite gêne, on attend, on va regarder avant de donner comme ça des grandes statistiques, là. Donc, pour un véhicule léger, on peut s'attendre environ à 50 % moins de maintenance dans le cas d'un véhicule commercial. C'est la réduction des coûts, mais aussi la réduction des temps d'arrêt. Vous allez passer moins de jours au garage, moins de demi-journées au garage. Les prochaines diapos vont illustrer ça. Je ne m'attends pas à ce que vous lisiez toute la, j'ai pas de meilleur terme, là, la cédule d'entretien, le plan d'entretien du manufacturier, mais si je voulais vous montrer quand même la comparaison entre une Nissan Versa Note, ça date un peu, 2016, puis une Nissan Leaf 2016, regardez deux choses. Regardez la longueur de la liste, le nombre de pièces, et puis surtout, regardez l'intervalle de service. Là, ici, on est à 8 000 km, puis ici, on passe à la prochaine. La liste rapetisse beaucoup. Mais surtout, on passe de 8 000 à 12 000 km. Donc, juste là, ça paraît faible, mais en fait, sur la vie du véhicule, c'est donc que le véhicule va 33 % moins souvent au garage. Et puis, en plus, bien, la liste, si on regarde là, la majorité des points, c'est de l'inspection. Explique encore, j'ai encadré là, ce qui n'est pas des inspections, ce qui reste là, vraiment concrètement à faire absolument. Permuter les pneus, changer le liquide de frein, changer le filtre de cabine. Ça, c'est ce qu'il y a à faire sur une Nissan Leaf neuve jusqu'à 24 000 km. Donc, c'est relativement peu d'entretien. Les bienfaits environnementaux. Là, moi, ce que je vous dis, bien, premièrement, moi, je ne suis pas un expert moi-même là, en analyse de cycle de vie des véhicules électriques. Ce n'est pas mon champ d'expertise. Par contre, j'ai lu beaucoup là-dessus. C'est un sujet qui m'intéresse. Et puis, de mon côté, là, j'ai compilé beaucoup d'études et tout et tout, là. Et puis, là, ce que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est une qui résume bien, c'est à mon sens la plus sérieuse au Québec pour le contexte québécois. Puis, ce que je veux vous dire, c'est que le fameux point d'équivalence, le point à partir duquel les véhicules électriques deviennent plus environnementaux que les véhicules à essence, les gens ne s'entendent pas tout à fait sur où est-ce qu'il se situe ce point-là en termes de kilométrage, parce que ça dépend vraiment de l'étude. Ça dépend de ce qui a été comparé comme véhicule de base, comme véhicule électrique, puis quel aspect environnemental est retenu dans l'étude. Donc là, j'ai choisi de vous montrer celle qui porte sur l'impact sur les changements climatiques d'un véhicule électrique au Québec. Si j'avais pris sur le CO2 uniquement, non pas sur les GES, ça serait différent. Si j'avais pris sur la dégradation des ressources en eau, ça serait un résultat différent. Sur l'épuisement des ressources minérales, l'épuisement des ressources fossiles, toutes des études qui sont différentes, qui vont donner des résultats un petit peu différents. C'est pour ça que les scientifiques ont tous raison, mais ils n'ont pas pris tous les mêmes. Le même scope, là, la même portée d'étude. Si vous voulez retenir une chose, c'est que, comme le graphique le montre, le véhicule électrique il est plus coûteux pour l'environnement à fabriquer que le véhicule à essence. Par contre, au Québec, on a un réseau électrique qui est à 99 % renouvelable, quasi zéro émission à l'utilisation. Puis ensuite, il y a la mise au rencor recyclage du véhicule à essence aussi. Puis le véhicule à essence, lui, c'est qu'il pollue en roulant. Donc, effectivement, dans toutes les études, il y a un point où est-ce qu'ils se croisent, le fameux point d'équivalence. Au Québec, ce point-là va être entre 30 000 et 65 000 km. Ce qui est intéressant, c'est que dans des véhicules commerciaux, ce point d'équivalence-là peut être atteint en 1 an, 1 an et demi, peut-être 2 ans.
Et là, après ça, pour toute la durée de vie du véhicule, qui est, en passant, plus grande pour un véhicule électrique qu'un véhicule à essence, pour toute la durée de vie, il va être plus propre, incluant sa mise au rencard. Parlant de mise au rencard, pour la prochaine diapo, le saviez-vous? Il y a trois vies pour une batterie de traction. Une batterie dans un véhicule électrique, évidemment, on la connaît. La première vie, c'est de servir à propulser le véhicule électrique. Typiquement, dans un véhicule électrique, la batterie peut être utilisée jusqu'à temps qu'elle soit dégradée. La métrique actuelle, là, c'est de 20 %. Donc, les manufacturiers, si jamais la batterie dégrade de plus que 20 %, autrement dit, elle tombe à 80 % de son énergie initiale, là, c'est un remplacement. Mais c'est très, très rare que ça arrive. Moi, de mes yeux, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler d'un véhicule qui a eu une batterie remplacée. Là. Donc, ça n'arrive pas souvent. Ça peut, c'est ça. Dans mes projets, j'ai des véhicules qui sont à 250 000 km. Ça roule encore très bien. La batterie n'est pas encore assez dégradée pour être remplacée. Donc, ce n'est pas une si grande inquiétude, de un. Puis, de deux, là, ce qui arrive présentement, c'est que il y a un marché pour la batterie usagée lorsqu'elle ne peut plus servir dans un véhicule électrique. Les gens veulent l'acheter, ils veulent s'en servir pour autre chose. Ils veulent alimenter les maisons, les hôpitaux, les entreprises. Ils veulent emmagasiner de l'énergie pour lisser des appels de puissance, pour réduire des coûts électriques, ou encore emménager l'énergie solaire, faire toutes sortes de systèmes avec off-grid là, pour des chalets ou des shacks. Donc, présentement, les gens en veulent des batteries pour des voitures qui sont accidentées, des voitures en fin de vie. Il y a vraiment un marché pour ça actuellement. Et puis là, cette batterie, une fois qu'elle est implantée là, comme batterie stationnaire dans un jour, dans une maison, ça peut durer 10, 20 ans. Après ça, on passe à la troisième vie, qui est la phase recyclage. Là, ça s'en vient. Encore là, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais vous connaissez peut-être la firme Le Recyclage Lithium, qui est à Montréal, qui se concentre là-dessus, le recyclage des matériaux dans les batteries lithium-ion. C'est quelque chose qui est techniquement possible présentement, puis qui va vraiment se développer dans les prochaines années. Donc, ça porte à croire que cette roue-là va réussir à tourner là, bien rondement d'ici les prochaines années. Au niveau des opérations, l'utilisation d'un véhicule électrique, il y a des petits changements que vous allez demander à vos chauffeurs, à vos conducteurs, à vos employés. C'est de recharger chaque fois que c'est possible, chaque fois que vous êtes au dépôt ou à la maison du véhicule, là, que ce soit à domicile ou là où est-ce qu'il est immobilisé la nuit, idéalement, il est rechargé. Il n'y a aucun problème à le laisser toujours recharger. Là. En fait, la recharge s'interrompt là, quand vous avez atteint le seuil limite, le 60 %, vous pouvez le mettre à 90 %, même si la puissance n'est pas requis. Mais donc, la recharge va s'arrêter automatiquement. Il n'y a aucun danger. Il n'y a pas d'effet mémoire sur les batteries lithium-ion dans les véhicules automobiles. Donc, chaque fois que le véhicule revient pour une pause, pour un dîner de 60 minutes, pour la nuit, vous pouvez le brancher là. Donc, ça, c'est le changement que vous allez demander. Vous n'allez pas à la pompe, mais dès que vous revenez, le conducteur branche le véhicule. Ensuite, l'autre petite adaptation, c'est le freinage régénératif. Au niveau de la conduite, si le conducteur choisit de laisser cette fonction-là active, le freinage régénératif va faire que le véhicule ralentit un peu plus. C'est comme pendant de la compression, on pourrait dire, d'un véhicule à essence. Donc, il y a peut-être une petite adaptation au niveau de la conduite. Si le conducteur n'aime pas ça, il peut toujours désactiver cette fonction-là. Autrement, ça ressemble beaucoup. Vous n'avez jamais conduit de véhicule électrique. C'est très semblable au niveau des opérations là, par rapport à un véhicule à essence. Et puis, pendant qu'on voit là le petit graphe, vous allez voir que de recharger en cours de journée, même si des fois c'est des petits 15 minutes, 30 minutes, un autre 15 minutes, en fait, c'est ça que j'ai mis exactement dans le graphique, là, un 15, un 30, un 15. C'est ce qui permet de finir la journée à 35 % d'autonomie versus 15, donc avec une marge très sécuritaire. Il n'y a aucun stress si jamais il y a une course additionnelle ou il y a du trafic en hiver. D'implanter la recharge en cours de journée, c'est vraiment essentiel pour avoir toujours une certaine marge. Puis, parlant d'autonomie, il faut quand même que je vous dise que l'autonomie, c'est quelque chose qui est variable, qu'on nous donne dans les guides comme celui-ci, choisir un véhicule rechargeable qui répond. Choisir un véhicule rechargeable qui répond à vos besoins. Ce qu'on nous donne là-dedans, c'est les autonomies qui sont listées, qui sont mesurées par le PA, qui est l'agence qui fait les tests là, en Amérique du Nord pour ce qui est de l'autonomie des véhicules électriques. Puis c'est comme une moyenne, on pourrait dire. Là. C'est-à-dire que l'été, vous allez être capable de dépasser cette autonomie-là, l'automne et le printemps aussi. Et en hiver, vous allez en avoir moins d'autonomie. Et ça, peu importe le véhicule. Sur un véhicule à essence aussi, là, on a une consommation qui est plus grande. Donc, si
Et on allait vraiment mesurer l'autonomie d'un véhicule à essence, bien, elle aussi serait réduite en hiver parce qu'elle consomme plus. Ce qui explique ça, c'est surtout le coefficient aérodynamique, là, bien, les forces aérodynamiques qui sont plus grandes en hiver quand l'air est un peu plus dense, plus difficile à déplacer le véhicule. Il y a la pneumatique d'hiver. Il y a la chaussée hivernale qui est un peu plus demandante au niveau énergétique. Et puis, il y a le chauffage des batteries puis de la cabine qui demande de l'énergie. Tout ça mis ensemble, ça vous donne une baisse de l'autonomie qui peut aller jusqu'à 40 %. Ce n'est pas un mythe. 50 %, à mon avis, c'est un peu plus. Moi, j'aurais plus tendance à dire 30, puis prenez une marge de 40 % pour l'autonomie hivernale. Ça, c'est une bonne valeur qui est relativement conservatrice aussi, là. Donc, les éléments qui affectent la consommation, température extérieure, comme j'ai dit, le cargo, l'utilisation de la traction intégrale ou pas, les accessoires à bord, s'ils sont en marche, le type de trajet, le style de conduite, super important, que ce soit un véhicule à essence ou un véhicule électrique, le style de conduite peut affecter jusqu'à, ben, peut être responsable de 30 % ben, des écarts de 30 % d'un véhicule A, un véhicule B, un véhicule C. On assigne chacun à des conducteurs différents. Et puis, le préchauffage de la batterie, quand les véhicules sont rechargés ou quand ils se rechargent à dépôt, si vous programmez le préchauffage de la batterie, vous êtes capable de partir avec un véhicule qui est chaud, vous allez avoir une meilleure autonomie, une meilleure consommation aussi, plutôt que d'utiliser la batterie du véhicule pour chauffer le véhicule une fois que vous êtes en déplacement. Pour vous donner un portrait des autonomies actuelles, si jamais vous n'êtes pas trop au courant du marché là, présentement, ça, c'est des chiffres que j'ai qui datent de 2020. Déjà, si on faisait une petite mise à jour, là, il y a déjà des véhicules qui sont arrivés sur le marché ou qui arrivent cette année qui ont un petit peu plus d'autonomie. Mais donc, vous voyez, ils sont placés en ordre croissant à droite. Là, puis le cinquième a 300 km d'autonomie. Après ça, c'est toujours du 300-400. On atteint 300-500. Il y a quelques petits véhicules plus rares là, qui vont aller jusqu'à 1000, là, mais ce n'est pas la tendance. Donc, les véhicules québécois les plus vendus, en fait, ça à gauche, c'est la répartition de l'attribution des subventions par le gouvernement provincial. Donc, on en voit beaucoup sur les routes, là, les RAV4 Prime, les modèles 3, Chevrolet Bolt, Yasol. Voilà. C'est juste pour vous donner un petit portrait de l'industrie du véhicule léger présentement. Maintenant, on parle des véhicules pour les villes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels sont les véhicules que vous pouvez électrifier, que vous pouvez convertir peut-être dans vos flottes? J'ai mis quelques exemples, il y en aurait plusieurs autres. J'ai mis les plus parlants, qui sont les plus propices à être électrifiés, selon moi. Les véhicules municipaux en autopartage. Là, j'ai choisi des villes qui l'ont fait, mais il y en a d'autres, là, vous le savez, là, c'est vraiment un petit exemple. J'ai mis la ville de Sainte-Julie. Les véhicules pour le matériel roulant et atelier, comme à Montréal. Les véhicules pour la prévention, côté police, là, comme à Mascouche. Donc, des services de police, incendie, eau potable, travaux publics, génie civil, urbanisme, signalisation, tous des véhicules légers qui méritent au moins d'être analysés, à savoir si ça serait un candidat à être. Et puis des véhicules de fonction aussi, si jamais vous en avez, là, pour les élus, les personnes qui ont des véhicules de fonction. Continuons. Du côté des véhicules spécialisés aussi, il y a de l'offre. Il y a de l'offre présentement, puis il y a de l'offre qui va se développer dans les prochaines années. On pense aux travaux publics d'horticulture, balayeuses de rue, moto électrique, comme à Sherbrooke. Surfaceuse de glace, surfaceuse à glace, les fameuses Zamboni. Ça, j'ai vu, il y a plusieurs villes au Québec qui ont acheté ça. C'est assez intéressant. Puis, dans les prochaines années, véhicules hors route, VTT, motoneige, motomarine, côté des ambulances aussi. Là, je ne rentre pas dans cette catégorie-là, mais il y a même aussi tous les véhicules de transit, là, de transport de passagers, là, par exemple, petit bus 20 pieds, petit bus 40 pieds. Si jamais vous avez une société de transport là, qui est gérée par votre municipalité ou un partenariat, il y a beaucoup d'offres là, de véhicules électriques dans côté des véhicules de transport en commun. Il y a des navettes aussi qu'on voit là, parfois. Je pense qu'on va en entendre parler tout de suite après ma présentation, d'ailleurs. On va avancer. Voilà, véhicules moyens et lourds. Ça s'en vient très bientôt. Là, si vous en voulez un, la semaine prochaine, ce n'est pas encore tout à fait disponible. Le plus près d'arriver, le plus près de la commercialisation, il y en a deux dans la slide, dans la diapo. Il y a le Ford e-Transit Cargo Van. J'ai parlé pas plus tard que vendredi passé. Ou directeur des ventes de Ford là, pour les flottes ici. Et puis, ça s'en vient donc cet été, là, les Ford e-Transit Cargo pour ceux qui ont fait des réservations l'été passé. Côté e-Transit châssis cab ou cutaway aussi pour faire toutes sortes de véhicules, des véhicules outils, des véhicules de travaux. Ça s'en vient aussi dans la prochaine année. Côté camion,
Le Lion 6, qui ont commencé à livrer leurs premières unités. Ils ont des ventes ici au Québec déjà, côté camion à ordures, côté camion remorque classe 8. Il y a cette offre-là aussi qui se développe tranquillement, qui arrive au Québec dans les prochaines années. Donc, patience, mais ça vaut la peine d'y penser d'avance, là, puis d'aller voir dans la suite de ma présentation, de commencer déjà à réfléchir à la recharge. La conversion. C'est possible de convertir des véhicules municipaux dans certains cas. Là, c'est un peu difficile pour moi de faire des généralités puis de parler de ça de façon globale parce que c'est souvent du cas par cas. Il y a des entreprises québécoises étrangères qui proposent des conversions de véhicules, soit des véhicules qui sont ben, dont la motorisation est en fin de vie, pas nécessairement le véhicule lui-même, là. Ou encore pour des véhicules neufs puis ils vont vous vendre un véhicule neuf préconverti. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est simplement de bien calculer le retour sur l'investissement. Comme je dis, c'est du cas par cas. Il y a des cas où est-ce que ça fonctionne super bien, des cas où est-ce que ça fonctionne peut-être moins bien. Évaluer la complexité de la maintenance des travaux sous garantie, sachant que c'est souvent de plus petites compagnies, peut-être moins bien implantées, qui n'ont pas des centres de services nécessairement près de vous. Donc, juste bien le calculer, bien prévoir, puis se renseigner sur les spécifications de la recharge aussi qui peuvent différer versus un véhicule neuf d'un manufacturier conventionnel, peut-être mieux établi. L'électrification des accessoires, ça peut vous aider aussi dans l'atteinte d'objectifs de réduction de GES dans vos municipalités. Électrifier des accessoires comme des nacelles, des lève-charges, les bras articulés qui sont sur des véhicules à essence, il peut avoir un gain parce que ça peut permettre d'arrêter la marche au ralenti, autrement dit, de couper le moteur quand le véhicule est arrêté, puis normalement, il servirait seulement à alimenter les accessoires. Donc, il peut avoir des belles épargnes côté gaz à effet de serre, côté-là. Et puis, ce n'est pas moi qui parle des subventions aujourd'hui, mais je voulais quand même vous mentionner que si vous faites des conversions, à voir, il faut que la technologie soit approuvée par le programme d'aide financière. Donc, c'est soit éco-camionnage ou transport vert du MERM, dépendamment de la technologie puis du type de véhicule que vous convertissez. Est-ce que tout va bien jusque-là? Je ne vois pas vos visages. Je vais prendre pour acquis que oui. On a parlé des bienfaits, on a parlé du langage véhicule électrique, un mini cours de séance là, sur l'énergie puis les unités pour la recharge. J'ai parlé des types de véhicules dans les villes, mais là, je n'ai pas parlé encore du gros du projet, là, le noyau, le nœud, on pourrait dire, en fait, là où vraiment ça va être important de le planifier d'avance puis d'y réfléchir, c'est-à-dire la recharge. Donc, les véhicules, c'est seulement une partie du projet. Je vais vous montrer aujourd'hui les trois types de recharge, les trois niveaux de recharge. C'est essentiel pour que vous puissiez comprendre le reste. Donc, c'est un peu technique, mais restez avec moi. Après ça, je vais mettre des images, des exemples, puis des chiffres et des prix. Puis, je vais pouvoir répondre à vos questions après la présentation aussi. Donc, borne de niveau 1, c'est la plus faible puissance. C'est de la puissance de 1 à 2 kW. Ça va vous redonner 5 à 8 km d'autonomie par heure de recharge. C'est très lent. Par contre, ça coûte pratiquement rien, parfois carrément rien, parce qu'on utilise la borne d'origine du véhicule qui est livrée, là, qui est en dessous, qui est dans la valise en arrière, le tapis, là, vous avez une petite borne portative, on utilise cette borne-là, ou encore une borne murale niveau 1, ce qui est très, très, très rare. Ça ne charge pas vite. Ça utilise le pistolet SAE J1772, qui est commun à tous les véhicules en Amérique du Nord, excepté les Tesla. Les Tesla utilisent un autre pistolet, je vais y revenir. Borne de niveau 2, le même pistolet encore, J1772. Ça, si vous avez une chose à retenir, c'est que la borne de niveau 2, c'est ça que vous voulez, c'est la stratégie de base, c'est la qualité-prix, entre guillemets. C'est vraiment celle sur laquelle tous vos véhicules devraient recharger, si possible la nuit, dans vos opérations, ça fonctionne, là. Donc, typiquement, on a des recharges à 6, 7 kW. Là, de plus en plus, ben, il y a des manufacturiers de bornes qui proposent des bornes haute puissance pour le niveau 2. Donc, ça va vous redonner 30 à 100 km d'autonomie par heure de recharge. Ça, c'est pour ce qui est de la recharge en courant alternatif, AC. Donc, l'électronique qui convertit le courant AC en courant continu pour la batterie se trouve à bord du véhicule. Ça fait des petites bornes qui sont moins chères aussi. On peut simplifier ça en disant que la moitié de l'électronique est dans le véhicule. Ensuite, quand on passe à la recharge rapide, qu'on appelle BRCC, la borne de recharge en courant continu. Là, on peut avoir des puissances qui sont beaucoup plus hautes. Le 24-25 kW, ça existe, ce n'est pas super commun. Le plus typique, là, le classique qu'on voit, c'est le 50 kW.
Donc, les bandes rapides que vous voyez là, sur la route, la majorité sont des 50 kW. On voit aussi des 100, des 125, des 350 là, récemment là, qui sont mises en marché. Je vais y revenir, ce n'est pas nécessairement la bonne stratégie pour une flotte d'une ville ou d'une entreprise. Donc là, ça prend une alimentation triphasée dans la majorité des cas. Donc, il faut que votre bâtisse soit alimentée là, avec un service par Hydro-Québec là, industriel. Et puis là, il y a deux pistolets. Il y a le pistolet de recharge qui s'appelle CHAdeMO, puis le CCS Combo. Le CCS Combo est en train de gagner. Là, le CHAdeMO tend à disparaître, mais il y en a encore quelques-uns, dont la Nissan Leaf, qui utilise ce pistolet-là. Les bornes, présentement, on les achète, puis la majorité ont deux pistolets. On les utilise un à la fois, mais il y a le CHAdeMO à gauche, puis le CCS à droite. Voilà. On n'appelle pas ça niveau 3. Niveau 3, ça a été réservé, shotgunné, comme disent les jeunes, dans la norme sur la recharge AC. Et puis, c'est une utilisation qui n'a jamais été faite. En fait, c'était supposé servir à la recharge AC de haute puissance. Ça n'a pas vraiment décollé de ce côté-là. Mais donc, c'est faux de dire que la recharge en courant continu, c'est le niveau 3, même si on n'a pas cette appellation-là. Donc, je continue en disant que les bornes niveau 1, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que dans votre contexte, c'est simplement pas assez rapide. Pour un particulier à la maison, ça peut convenir, c'est surprenant, ça peut très bien fonctionner tout le temps, juste le niveau 1. Mais dans le cas d'une flotte qui doit recharger des fois en cours de journée, c'est rare que ça fonctionne. C'est rare qu'on peut s'appuyer uniquement sur le niveau 1. Ensuite, côté Tesla, j'en parle pas beaucoup parce qu'ils ont un connecteur qui est unique à Tesla. Et puis là, c'est le même connecteur qu'au niveau 1, 2 et BRCC. Moyennant des adaptateurs, les véhicules Tesla peuvent aller sur d'autres bornes, mais pas le contraire. Donc, il y a des petites particularités côté Tesla que je n'aborde pas aujourd'hui. La puissance de recharge est toujours dictée par le véhicule. C'est le véhicule qui communique avec les bornes, il se serre la main, le véhicule dit « bonjour, je suis un véhicule », la borne répond « je suis une borne ». Le véhicule dit « aujourd'hui, j'ai soif, j'aurais envie de 70 kW ». La borne, elle, peut répondre « ben, moi, je suis une borne de 150 kW, comme tu veux seulement 70 ». C'est très courtois, hein? Je vais seulement t'offrir 70. Par contre, si la borne est limitée à 25, ben, la borne va seulement offrir 25. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a jamais de danger. Si vous branchez un véhicule qui peut accepter 50 sur une borne qui peut offrir le double, il n'y aura pas de danger. Là. Question éthique là, au niveau des bornes publiques, là, c'est-à-dire qu'un véhicule qui recharge lentement est un peu mal vu qu'il recharge sur une borne de haute puissance parce qu'il bloque un peu la place pour recharger plus vite. Mais outre ça, il n'y a aucun danger. Comment connaître la puissance requise? Là, je vous résume ça très simplement. Là. Ça peut être un peu plus complexe quand vraiment on veut calculer, quand on s'apprête à acheter des bornes. Là. Mais en gros, pour que vous compreniez d'où ça vient la puissance de recharge minimum pour votre projet, pour qu'il fonctionne, ça prend la consommation du véhicule. Il faut l'estimer. Là, j'ai mis des estimations d'un petit véhicule léger commercial jusqu'à un camion à ordures en termes de kilowattheures par 100 km. Vous multipliez ça par la distance que vous avez parcourue sur une période, divisé par les heures d'une séance de recharge ou du cumul de toutes les séances de recharge dans la journée pour connaître la puissance minimum, soit pour cette séance-là ou pour toute la journée. Je vais vous faire un exemple pour pas que vous soyez trop mélangé. Supposons qu'on a une Nissan Leaf, je prends toujours les Leaf en exemple, je sais pas pourquoi, 20 kWh, vous parcourez 200 km un avant-midi, ça veut dire que vous avez consommé, ça fait un petit rappel des unités, hein, vous avez consommé 40 kWh. Vous avez une heure pour la recharge, 40 kWh divisé en une heure, ça vous donne 40 kW. 40 kW, la borne la plus proche, supérieure, ça va être une BRCC 50 kW. Donc, en faisant ce petit calcul-là, vous vous rendez compte que si vous avez effectivement une heure pour recharger votre avant-midi, ça vous donne, ça vous prend une BRCC. Donc, en faisant ce petit calcul-là, à gauche, à droite, pour calculer vos scénarios avant-midi, après-midi, recharge la nuit, tout ça, vous êtes capable de vous faire une stratégie de recharge. Je vais vous montrer les types de bornes et les puissances qui correspondent. Comme je dis, je passe vite sur la recharge niveau 1. C'est la borne portative, là, typiquement, qui est utilisée. Ça prend simplement une prise 120 volts qui est installée à l'extérieur ou à l'intérieur, si vous voulez recharger à l'intérieur. Si vous avez les deux yeux réveillés sur la prise, c'est une prise 15 ampères. Si vous avez celle qui fait un clin d'œil, c'est une prise 20 ampères. Ça peut recharger un petit peu plus vite. Il faut la faire installer par un électricien sur un circuit qui est dédié. Vous avez un petit gain à faire ça. Mais encore là, ce n'est pas des grosses puissances de recharge. Passer au niveau 2. Les bornes de niveau 2, il y en a plusieurs types, vous allez voir. Là. Et puis là, je les ai mis en ordre croissant de complexité et prix et puissance.
Donc, ça part avec les bornes de recharge portatives qui viennent avec le véhicule. Dans certains cas, ils ont les broches, là, ils ont la compatibilité avec le 240 volts. Si c'est le cas, ça vous prend seulement une prise, puis vous pouvez utiliser la borne portative du véhicule. Typiquement, ce qu'on voit, c'est que les entreprises et les municipalités installent des prises à l'extérieur avec des petits clapets comme ça qui sont barrés par un cadenas, avec des bornes qui se branchent dans cette prise-là. Ça coûte environ entre 600 et 1000 $ la borne. Ça peut vous coûter à peu près autant en installation. Donc, on peut dire environ 1000 $ pour installer ces bornes-là. À droite, ce qu'on voit, c'est presque pareil, sauf que là, le câble est acheminé dans la borne vissée par un électricien. Donc, ce n'est pas une prise, on ne peut pas retirer cette borne-là. C'est un peu plus permanent comme installation, on pourrait dire. Ça coûte à peu près dans les mêmes prix, autour de 1000 $. On peut continuer. Ça, c'est des bornes que n'importe qui peut utiliser. N'importe qui arrive à la borne, débranche le pistolet, branche son véhicule. Il n'y a pas d'authentification. Il y a des résidentielles intelligentes qui vous donnent un petit peu de données. Vous êtes capable d'arrêter la recharge à distance via un portail ou une application. Mais encore là, n'importe qui peut utiliser la recharge. Ces bornes-là coûtent à peu près 200 ou 300 $ de plus que ceux de la page précédente. Donc, on est à 1200-1300 $. Commerciale intelligente, il y a l'authentification. Là, vous pouvez vous déployer toutes sortes de stratégies avec des employés, des cartes, les téléphones cellulaires pour authentifier. Badger la séance de recharge. Après ça, vous pouvez avoir toutes sortes de données sur qui a rechargé. Ça coûte pas mal plus cher. On est rendu dans les 3000 $ à peu près pour une borne. Et puis là, ça vous prend une passerelle de communication sans fil pour communiquer avec les bornes. Donc, ça devient un petit peu plus complexe. Si vous êtes sur un lieu public, ça vous prend aussi des bornes anti-vandalisme avec des pistolets qui sont verrouillés. Là, on tombe dans les 4, 5, 6, 7 000 $ pour les bornes. Ils ont des fonctionnalités qui sont propre à des bornes qui sont mises en réseau. Il y a des queues d'attente, il y a toutes sortes de fonctionnalités. On peut faire afficher de la publicité sur des écrans. Donc, c'est évidemment plus complexe, plus coûteux. Plus récente catégorie, c'est les bornes niveau 2 de haute puissance qui peuvent aller jusqu'à 19,2 kW, ce qui est très, très puissant pour que vous ayez de la place dans votre entrée électrique pour installer des bornes comme ça. Il faut aussi que le véhicule niveau 2, le véhicule puisse accepter cette recharge-là sur le niveau 2, ce qui est plutôt rare. Là. On va typiquement voir ça dans les fourgonnettes électriques qui s'en viennent dans les prochaines années ou les camions classe 6 à 8 dessus. Et puis là, on est dans les 7 à 10 000 $ à peu près pour la borne. Calculez-en environ autant. J'ai parlé récemment à une entreprise de télécommunications assez bien établie que je n'aimerais pas, mais eux budgètent à peu près 12 000 $ par borne niveau 2 installée. Ce n'est pas pour vous faire peur, là, c'est simplement pour vous donner un ordre de grandeur réaliste. Là, si vous voulez des bornes fancy, entre guillemets, avec la communication, des fonctionnalités, prévoir le coût d'installation là-dedans, la mise à niveau des infrastructures, c'est à peu près ça, eux, leur budget, le 12 000 $ par borne. Il y a moyen de faire ça beaucoup, beaucoup plus simple, mais pour une stratégie là, durable avec la gestion de la puissance, là, c'est à peu près ça. Côté des bornes de recharge en courant continu, il y a les bornes de 24 ou 25 kW, différents fabricants qui proposent ça. Ça va vous coûter entre 10 000 $15 000 $ des fois un peu plus. Là, ça peut être implanté sur du 240 volts aussi. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'une alimentation triphasée pour ces bornes-là. La puissance monte. 50 kW, c'est le plus commun. C'est des bornes qui coûtent environ entre 35 et 50 000, des fois un peu plus. Et puis, on pourrait presque faire une règle 1 pour 1. Une borne 50 kW, environ 50 000 $. Une borne 75, à peu près 75 000 $. Ça monte assez vite, les bornes de recharge rapide. Ça peut facilement coûter plus cher qu'un véhicule. Puis, ça coûte aussi cher que le prix de la borne. Encore là, la règle s'applique. Côté installation, une borne qui coûte 50 000 $, ce n'est pas des farces, ça peut coûter 50 000 $ à installer avec la mise à niveau, les transformateurs, les balleurs, la signalisation, les travaux de génie civil. Ça peut monter assez vite, l'installation de ces bornes-là. Et puis, là, ben, effectivement, ça monte. Il y a des bornes qui sortent, des bornes à bébé 350 kW qui ont été affichées il n'y a pas longtemps. C'est compatible avec vraiment très peu de véhicules pour le moment. Puis surtout, ça coûte très cher à acheter, à implanter et à opérer aussi. Donc, pour une flotte, là, c'est pas viable, à mon sens, en tout cas. C'est vraiment plus destiné le long des axes routiers là, pour les gens qui font qui transitent, là, qui vont arrêter là 15 minutes, qui veulent à tout prix la recharge la plus rapide. Donc voilà, ça coûte assez cher, les bornes de recharge rapide. Vous avez compris qu'il faut les minimiser autant que possible. Donc, combien ça vous en prend des bornes? Quelle est la stratégie? La stratégie de base, par défaut, là, il y a toujours des exceptions, là, mais de base, là, c'est une borne à niveau 2 par véhicule. Et après ça, vous soustrayez les VRCC si jamais vous avez des VRCC. Donc, à droite, là, j'avais monté pour Hydro-Québec une figure ici où est-ce qu'on voit un parc de 10 véhicules.
deux BRCC aux deux extrémités, puis après ça, il y a quatre bornes de niveau 2. Vous remarquerez que les bornes de niveau 2 en jaune sont accessibles par quatre cases de stationnement dans cette configuration-là en îlot. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes en bordure, là, vous êtes un trottoir ou en bordure d'un mur, essayez vraiment de les mettre entre deux cases de stationnement pour qu'une borne puisse être accessible. Vous pouvez avoir accès à une borne avec deux cases de stationnement. Donc, ce que ça permet, c'est que s'il y a un premier véhicule qui est en recharge, la recharge se termine, un deuxième véhicule arrive, facile de débrancher le pistolet, brancher le deuxième, pas besoin de coordonner la sortie là, puis déplacer le véhicule, etc., etc. Je vais continuer, je vais accélérer un petit peu, je regarde l'heure. Planification du site, simplement pour vous illustrer que ça prend de la place quand même, plus vous avez un gros parc de bornes, plus il y a de la quincaillerie, on pourrait dire, le plus... Il y a de cabinetterie là, électrique, il y a des transformateurs, il va y avoir de l'excavation aussi. Donc, prévoir quand même ça sur vos sites. Si vous, dans vos prochaines années, il y a des réaménagements, du paysagement autour là, de vos bâtisses, c'est une bonne occasion d'en profiter pour penser d'avance la stratégie long terme d'implantation des bornes, comment ça va se concrétiser sur votre terrain, sous votre terrain même. Là. À droite, on voit pour un projet pilote d'électrification, là, c'est un projet dont je m'occupe à l'IVI, projet d'électrification d'un parc de 28 taxis électriques, projet pilote financé par le MTQ. Puis là, ça, c'est l'implantation de parc de bornes de recharge à l'hôtel Hilton à Laval, le long de la 15, là, la 15 Nord. Et puis, là, ce qu'on voit, c'est que l'excavation a été faite sous la pelouse. Donc ça, c'est gagnant. Je vais vous montrer à la prochaine diapo. Sous la pelouse, ça coûte moins cher de faire ça comme ça. Donc, minimiser la distance entre les bornes et le panneau de distribution pour avoir une bonne planification de votre site, réduire les coûts. Là. Si possible, enfuir le câblage sous la pelouse plutôt que sous l'asphalte. Un peu plus facile de modifier ça plus tard si jamais vous avez à le faire. Choisir un emplacement déjà éclairé pour éviter d'avoir implanté des lampadaires, etc. Prévoir le déneigement. Il y a souvent des bris de bornes de recharge, mais en fait, des câbles qui sont sectionnés, des pistolets qui sont arrachés par le déneigement, malheureusement. Donc, prévoir ça, mettre des bollards pour pas que le déneigement puisse endommager les bombes. Planification de l'accès aux personnes à mobilité réduite, si vous êtes concerné par ces normes-là. Envisager une installation à l'intérieur, si possible, dans les cas où ça fonctionne. Ça coûte beaucoup moins cher implanter des bombes, recharger les véhicules à l'intérieur. Ça coûte moins cher sur l'installation d'acheminer du câblage à l'intérieur. Si ce n'est pas possible pour vous, là, c'est vraiment pas grave, là, c'est tout à fait possible de mettre des bornes à l'extérieur et de recharger à l'extérieur toujours. Là. Mais je le mets là parce que des fois, les gens ne pensent pas à ça. On ne penserait pas mettre une station d'essence à l'intérieur du garage, mais côté véhicule électrique, il n'y a aucun problème de le faire, c'est pas cher. Vous allez probablement avoir à mettre à niveau vos bâtiments. Ce n'est pas un cours aujourd'hui là, sur la mise à niveau des bâtiments, ni le calcul des charges. Là. C'est un sujet qui est assez technique. Il y a des guides d'ailleurs qui existent. Il y en a un qui est là, qui est montré. Ce que vous allez devoir faire, c'est faire évaluer la capacité restante sur les entrées électriques de vos bâtiments, faire chiffrer plusieurs options de mise à niveau. Vous allez pouvoir commencer à évaluer des stratégies de gestion de puissance pour être capable d'implanter plus de bornes que ce que la bâtisse permet si on les additionne une à l'autre simplement. Puis, donc, c'est ça. Vos devoirs, c'est de faire chiffrer différentes options de mise à niveau, de connaître un peu où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez une infrastructure qui est vieillissante, vous aviez déjà des plans de mise à niveau. De mettre ça en commun avec votre stratégie pour l'implantation de recharge. Si les bornes sont raccordées à une nouvelle entrée électrique, bien là, faire évaluer les coûts de conception, fabrication, installation, comparer les deux projets, puis comprendre les coûts-bénéfices. Continue. Ici, pour un déploiement à l'épreuve du futur, règle générale, ce qu'on conseille de faire dès maintenant pour un projet long terme d'implantation de bornes, c'est implanter des conduits un peu plus gros pour être capable de passer du câblage plus tard, sans devoir refaire l'excavation. Peut-être même pas préacheminer du câblage. Et ici, le client, le Coop Taxi Laval, dans le même projet, ils ont prévu carrément les socles avec le câblage préacheminé, un petit couvercle. Comme ça, plus tard, ils sont capables d'installer des bornes s'ils le désirent. Donc, tout ce qui est excavation, pavage, aménagement, génie civil, on veut le faire maintenant, dès le début de la phase 1. Puis au fur et à mesure, vous voulez faire les travaux électriques. Si vous avez de la place là, dans la chambre, dans les cabinets, c'est relativement facile de refaire des conceptions, installations d'équipements électriques. Donc ça, c'est au fur et à mesure. Se renseigner sur son tarif, ça va être très important.
Si les bornes sont raccordées à la bâtisse, vous allez voir plus tard dans la présentation, là, les bornes se rajoutent à l'appel de puissance de la bâtisse, c'est-à-dire que si la bâtisse appelle 30 kW, puis vous rajoutez deux bornes de 7 kW, vous allez rajouter 14 kW. Donc, le pic de la bâtisse va passer à 44 kW. Dans certains cas, ça pourrait faire passer votre abonnement hydroélectrique sur un autre tarif. Donc, juste bien vous renseigner sur les tarifs pour ne pas avoir de surprises, bien connaître les modalités, les coûts de la puissance, le principe de puissance minimale à facturer, ou faire appel à des gens qui les connaissent pour de l'accompagnement. Puis, si les bornes sont raccordées à une nouvelle entrée électrique qui est dédiée aux bornes, si au moins une borne de recharge VRCC est raccordée, votre abonnement pourrait être éligible à un nouveau tarif expérimental pour les bornes de recharge qui s'appelle le tarif BR. BR pour borne de recharge. Voilà. Donc, ces notions-là, qui sont reliées à l'acquisition, implantation, opération des bornes de recharge, ça va se trouver dans un nouveau guide qui est apparaître là, d'ici la fin de l'année côté Hydro-Québec. J'ai eu l'honneur de rédiger ce guide-là. Ça va paraître bientôt, comme je dis, présentement, il s'appelle Guide de recharge pour parc de véhicules électriques. Peut-être que le titre va être un peu plus original, on verra. Puis la couverture que j'ai mis là, ben, c'est vraiment à titre indicatif. Pas final, donc, vous pouvez lire ça. Au niveau de l'appel de puissance d'une bâtisse, là, j'ai mis simplement une figure. Là, les chiffres sont pas tout à fait représentatifs de la bâtisse de la municipalité, là, j'imagine. C'est juste pour vous montrer le principe. Une bâtisse, ça demande de la puissance. Durant le jour, le chauffage est allumé, les accessoires sont là, tout le monde fait rouler la machine à café, grille. La nuit, ben, pratiquement beaucoup moins. Si vous rechargez la nuit, vous n'allez pas demander plus de puissance à la bâtisse que son maximum qu'elle a déjà. Si vous rechargez le jour pendant que tout est déjà allumé dans la bâtisse, vous allez faire monter le pic. Et puis, si vous ne le saviez pas, côté Hydro-Québec, l'énergie est facturée, comme chez vous, comme chez nous, pour le résidentiel, l'énergie est facturée, il y a un coût au kilowattheure. Mais il y a aussi un coût à la puissance. C'est une autre composante de la facturation qui peut être très gros, là. Ce n'est pas des sous par kilowatt, c'est des dollars par kilowatt, typiquement 14, 17, des fois plus, des fois moins, dépendamment du tarif. Et puis, ce qu'Hydro-Québec va faire, c'est qu'ils vont prendre la période de 60 jours, ils vont regarder le plus haut pic de 15 minutes, puis ils vont dire ça, pour la période, c'est la puissance à facturer. On peut avancer juste d'un clic, on va avoir une ligne pointillée. Par exemple, ici, ça serait la puissance à facturer pour le mois. Et puis ça, si c'est pendant les mois d'hiver, ils vont prendre cette puissance-là, ils vont prendre un certain pourcentage, puis ils vont dire ça va être la puissance minimale à facturer pour toute l'année. Donc, si le gros pic en hiver il est arrivé par accident, vous n'avez pas planifié de plafonnage de la puissance, vous pourriez avoir un gros pic durant l'hiver, vous allez payer les frais de ce pic-là toute l'année. Il y a la ligne pointillée mauve là, qui était. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un pourcentage du pic de puissance durant l'hiver qui est utilisé toute l'année. Puis là, vous voyez, ça pourrait être plus haut que la puissance que vous auriez payée en été. Donc, vraiment faire attention à ça, les pics de puissance, c'est un sujet qui est assez technique, là. On pourra s'en reparler. Appelez-moi si vous voulez en discuter. Aujourd'hui, je vous donne juste les bases de faire attention à la puissance. Il y a des stratégies qui existent pour gérer la puissance de votre parc de. Je vais accélérer un peu. Je pense qu'il me reste un 10 minutes, 5 minutes. J'ai pas parti mon petit compte à rebours, malheureusement. Donc, si jamais vous ne voulez pas implanter des bornes de recharge rapide parce que bon, ça coûte cher, c'est peut-être pas requis tous les jours, sachez que c'est possible d'appuyer votre recharge, votre stratégie sur les réseaux publics. Vous irez voir là, si ce n'est pas déjà fait, proche de chez vous, proche de votre dépôt. Il y a un outil là, qui s'appelle ChargeHub.com qui est développé à Montréal, qui fait le recensement de toutes les cartes, de toutes les bornes publiques du Québec, de niveau 1, 2 et VRCC. Il y en a beaucoup de bornes, il y en a environ 7 000 au Québec. Et puis les Laurentides, vous voyez là, petit truc qui cache, là. T'as 185 bornes, ça c'était 19 octobre 2020, l'an passé. Donc, félicitations les Laurentides, je vais vous en parler de ces bornes publiques. Pour les bornes de bâtiments de la ville, il y a des subventions, Anne-Sophie va en parler plus tard, 50 % des dépenses jusqu'à 5 000 $ par connecteur, ça c'est vos bornes pour vos employés, pas pour le grand public, vos employés ou vos opérations, là. Ensuite, si on passe côté grand public, si vous voulez implanter des bornes de recharge publiques, donc pour faire affaire avec un opérateur de réseau, là, donc un réseau de bornes de recharge, le plus gros, c'est Circuit électrique qui est détenu par Hydro-Québec. Et là, il n'y a pas de subvention à proprement parler, c'est des ententes que vous prenez avec eux. Donc, typiquement, présentement, leur modalité, c'est que le niveau 2, c'est un modèle d'affaires où est-ce que vous fournissez le terrain, vous achetez la borne, vous l'installez, donc vous payez l'installation. Et puis, les revenus d'exploitation vous reviennent en grande partie. Il y a une petite cote là, qui est prise du côté circuit électrique, normal, pour la gestion, tous les services mis en réseau.
si vous voulez faire la recharge rapide, vous voulez offrir ça à vos citoyens ou aux gens qui passent par votre territoire. Là, c'est tout autre. C'est le terrain. Hydro-Québec, bien, circuit électrique, achète et implante la borne, puis ensuite, les revenus d'exploitation retournent au circuit électrique. Donc, vous, ça ne vous coûte pas grand-chose à part de fournir un terrain où est-ce que vous avez de l'emprise. Puis, vous allez avoir l'achalandage d'électromobilistes qui vont venir faire la recharge rapide chez vous. Il y a de temps en temps des programmes de subvention internes à circuit électrique. Il y en a eu un qui s'est terminé le 31 août 2021 qui s'appelait Programme 4500 bornes de recharge. Donc, il y avait un appel à projet où est-ce que les villes pouvaient s'initialiser avec leur plan de déploiement de recharge pour faire subventionner jusqu'à 24 000 par borne. Donc, ouvrir l'œil, ça peut arriver de temps à autre. Où déployer la recharge dans votre ville? Niveau 2, c'est des bornes de recharge où les gens vont rester typiquement une demi-journée, une journée, quelques heures, une nuit peut-être. Donc, dans les parcs, les abords des pistes cyclables, les bibliothèques, les arénas, les hôpitaux, typiquement, c'est ça qu'on voit. Puis, niveau recharge rapide, BRCC, et les gens vont rester entre 15 minutes à une heure, pas beaucoup plus, le long des axes routiers, les centres d'achat, les restaurants. Ça vous prend toujours une offre de restauration 24/7 à proximité. Les gens vont arriver à ces bornes-là à toute heure du jour. Donc, évidemment, le mieux, c'est d'avoir des services là, autour, d'avoir des toilettes, d'avoir de l'éclairage. On veut un environnement qui est sécuritaire puis accessible à toute heure du jour. Il y a des consultants au Québec qui peuvent vous aider à choisir les emplacements des bornes de recharge dans votre municipalité. Nous, ce n'est pas notre expertise à Lévis, mais il y en a qui se lancent dans ce créneau au Québec présentement. Là, il y a un défaut d'avoir une meilleure transition. C'était la fin un petit peu de ma portion recharge, mais je veux quand même prendre les quelques minutes là, qui restent pour vous inviter à participer à notre nouveau projet qu'on lance cette année, qui est financé par le ministère de l'Environnement et lutte au changement climatique à l'IVI. Le projet s'appelle Flotte rechargeable camion lourd. Et puis, c'est un projet d'accompagnement pour les entreprises et, vous aurez compris, vous êtes invité donc aussi municipalités, organisations. Faciliter le virage électrique dans votre entreprise. Le nom s'appelle Flotte rechargeable camion lourd. Ça vient d'un projet qu'on a déjà réalisé que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Flotte rechargeable, rien d'autre. Ça s'appelait Flotte rechargeable à l'époque. On l'appelle présentement Flotte rechargeable 1 là, pour les distinguer. C'était des essais de 5 à 7 véhicules électriques pendant 3 semaines dans des entreprises ou dans des villes. Et puis, ça a été vraiment un gros succès. Là. On a eu une belle visibilité pendant le projet ici localement, après le projet localement puis après le projet internationalement aussi. 63% des entreprises qui ont participé ont changé leurs pratiques. Donc, concrètement, ils ont acheté des véhicules pour leur flotte ou les employés en ont acheté pour leurs besoins personnels. Ce qu'on voudrait faire, c'est ce qu'on va faire en fait, là, c'est, le financement a été accordé. C'est l'équivalent côté camion lourd. On veut avoir le premier projet qui va recueillir tous les gestionnaires de flotte qui sont intéressés à électrifier leurs camions lourds de classe 6 à 8, principalement dans le transport de marchandises, mais aussi d'autres petits domaines connexes pour lesquels l'électrification peut fonctionner. Et puis donc, c'est ça, c'est un projet de 1,5 million de 3 ans. Le gouvernement nous a donné le financement, on l'a annoncé au printemps. Et puis, je vais vous décrire un peu les volets, puis je vais aller vous décrire si ça vous intéresse. Donc, le volet 1, la première année, on va faire 8 ateliers régionaux dans le Québec. On va inviter les gestionnaires de flotte qui sont intéressés à en savoir plus sur l'électrification des camions lourds pour des séances d'information, mobilisation, puis il va y avoir des petits essais aussi de camions lourds électriques. Donc, on va en faire 8. Vous allez pouvoir vous inscrire à ces ateliers-là sur notre site web flotterechargeable.ca. Ça, c'est la première année. La deuxième année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 30 entreprises qui opèrent des camions lourds au diesel. On va implanter des appareils de télématique dans ces véhicules-là, puis on va mesurer comment les flottes se déplacent, comment les flottes opèrent pour faire des rapports personnalisés sur des stratégies d'électrification. Prenons tel camion lourd que vous avez, électrifiez-les par celui-ci. Mettez une borne de tel modèle, telle puissance à tel endroit, puis ça devrait bien se passer. On va faire ça pour 30 entreprises. Et ensuite, l'année 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en opération ces stratégies-là. On va prêter gratuitement, un peu comme dans Flotte rechargeable 1, on va prêter des camions lourds électriques, on va prêter des bornes, on va offrir le support 24/7. Et puis, donc, tout le soutien, en fait, pour qu'une entreprise puisse se lancer dans l'électrification des camions lourds sans risque, pour qu'elle puisse faire l'accès sans risque, sans frais. Je ne l'ai pas dit, c'est 0 $. Ça ne coûte rien participer à ça. Donc, raison de plus pour vous inscrire. si vous voulez vous inscrire, vous voulez embarquer avec nous, juste passer à la prochaine diapo. flotterechargeable.ca. Prendre le virage d'électrification, c'est participer à la réduction des GES. Vous avez vu mes statistiques du début de la présentation. Le transport lourd là, est responsable d'une grande partie des émissions du GES du Québec. Donc, l'électrification, c'est une belle opportunité pour réduire les émissions de ce secteur-là. Donc,
On a plein de belles choses qui s'en viennent à l'EVI. Vous avez vu la nouvelle bâtisse, côté de notre groupe application technologique. On continue à faire des projets pilotes, de l'accompagnement à l'électrification, des conférences, des formations. On vous aide, on répond à vos questions, vos projets. Contactez-nous. Donc, moi, Charles Trudel, c'est Trudel à commercial, EVSolutions.ca ou le développement des affaires de l'EVI. Ça vous fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc, bonne journée à tous. J'espère que ça a été pertinent pour que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup, Charles. En fait, là, on n'a plus le temps pour les questions. Par contre, ce que je vais faire à la fin, là, dans le petit 15 minutes de pause entre les deux volets, ceux qui voudront poser des questions, vous pourrez rester. Je vais laisser ça ouvert et vous pourrez poser des questions là, pendant une petite 10 minutes à la fin complètement. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Stéphane Cardy, qui va nous parler de l'autopartage des véhicules électriques municipaux à la ville de Prévost. Stéphane est géographe de formation et chargé de projet à la ville de Prévost. Il s'intéresse au potentiel local afin de répondre aux enjeux globaux sur le climat, la biodiversité ou la disponibilité des ressources et de l'énergie, et ce, pour enraciner les changements devenus inévitables. Donc, à toi la parole, Stéphane. J'ai oublié, ton micro est sur mute. Oui, je pensais que tu m'as donné. Bonjour tout le monde. Voilà, Stéphane Cardy, chargé de projet en environnement et climat à la ville de Prévost. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci pour Équitaire de mettre ça en branle. La petite présentation de 10 minutes, évidemment, on a toujours plus de choses à dire qu'on a le temps pour le dire. Je veux mettre l'accent, en fait, sur les stratégies qui sont en dessous des décisions en action climatique municipale. On pourrait se taper les bretelles avec des bons coups, mais ce n'est pas vraiment mon but. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir mettre des villes ensemble pour échanger sur leur stratégie. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour dire beaucoup de choses. Je vais passer brièvement en surface sur des thèmes qui sont, d'après moi, importants à connaître, à savoir à approfondir nous-mêmes. Mais à la période de questions, on ira plutôt sur les justificatifs, en fait, qui sous-tendent toute action municipale. Donc, l'autopartage est un service offert aux citoyens à Prévost. Donc, avec un véhicule électrique, on en a plusieurs, mais on en a mis un. En fait, c'est comme un test pour voir. Ça aborde évidemment le service, un service en mobilité durable. Ça aborde aussi la question de la gestion des actifs municipaux, comment les utiliser, les optimiser, en fait, et une expérience locale en action climatique avec les citoyens. Voilà. Donc, en gros, le choix du serveur, je vais l'appeler serveur, en fait, celui qui offre le service. Ce choix-là, il faut qu'il soit un peu plus grand que le service lui-même qu'on veut. Nous, on s'est associé en partenariat avec la compagnie, l'entreprise YHC, qui offrait il y a quelques années, donc, Sauvé, qui est un système de gestion de flotte de véhicules municipaux. Ils offrent le système de réservation pour l'autopartage public. C'est aussi un outil de gestion pour la région des GES, pour les villes qui ont commencé, en fait, ce qu'on appelle le Big Five, là, les inventaires GES, les cibles de réduction, le plan d'action, la mise en place du plan d'action de suivi. Ça, c'est comme ce qu'on appelle le Big Five. Pour les villes qui ont commencé ça, ben ils ont des options, comment on commence à concrétiser tous ces beaux jeux. Et c'est souvent des beaux discours pour aller plus loin, on le sait tous. Ça parle aussi de l'intégration des services. C'est là que je veux dire que le choix de votre serveur, en fait, sera important dans la planification que vous voyez à long terme. Si on va avec l'autopartage avec un groupe, on va avec un autre service avec un autre groupe, bien, ça fait beaucoup de gestion, ça fait beaucoup de différents systèmes qu'il faut manœuvrer. Si on en trouve un qui offre, qui est en évolution, comme celui-ci, en fait, bien, ça peut grandement aider, en fait, notre propre évolution en termes de services. Il y a aussi toujours le coût initial, mais ça, Charles en a parlé beaucoup. Il y a ce qu'il faut payer en partant et le calcul qu'il y a à faire pour amortir justement le service qu'on donne. Donc, nous, à Prévost, on a décidé de commencer que par le système d'autopartage dans un service qui en offre plus. Je vais revenir plus tard avec ça. On peut changer. Voilà. Alors, ça s'adresse à qui? Évidemment, ça s'adresse aux citoyens, mais ça s'adresse aussi à des engagements qui ont pu être faits par le Conseil, par exemple. À Prévost, c'est un cas, la déclaration d'urgence climatique a été signée il y a quelques années. Donc, ça répond aussi à ça. C'est pour remplir les engagements.
ça concrétise, comme je disais, ça rend physique, réel, les pas qui sont faits vers la réduction des gaz à effet de serre pour une ville. Et ça répond aussi à une vision globale de réduction pour s'engager pour mon... Il y a Glasgow qui s'en vient, donc il y a aussi ça. Puis ça, c'est tout relié au justificatif et au niveau du conseil, au niveau politique et au niveau de l'appareil municipal lui-même pour dire... Si on l'a fait, c'est pour telle raison, puis dans le fond, il faut être capable de l'assumer, au-delà peut-être de la rentabilité, je vais revenir tout à l'heure avec ça. Fait que, en ce moment, on a une des e-golf qui est mise en autopartage, mais on tient à dire qu'on a fait affaire avec dans le cadre de deux projets, d'aller chercher deux pick-up électriques convertis, eux autres, ils s'en viennent aussi, et en plus de la réduction des gaz à effet de serre, ce qui est évident. Puis aussi, quand on a commencé, comme une municipalité a commencé ses inventaires GES municipaux, ils ont à le refaire aux 2 ans. Donc, à chaque fois qu'on y retourne, si on a des systèmes de gestion déjà intégrés sur certains véhicules, c'est toute la job qu'on fait en moins. Donc, à long terme, c'est une planification de temps horaire qui est très intéressante aussi. Parce qu'elle amène aussi la camionnette qui va être en autopartage donc à partir de janvier, février. C'est qu'elle aborde aussi d'autres sujets qu'on ne penserait pas directement liés à juste l'emploi d'un véhicule électrique pour diminuer les GES. On parle de favoriser l'économie circulaire et aussi ça influence un achat potentiel, un achat futur chez les résidents qui utiliseraient, qui expérimenteraient le véhicule électrique, qui tout d'un coup dit « mais moi, je ne veux pas revenir à l'essence, j'ai essayé celui qui était en autopartage dans ma ville ». Puis moi, je suis sérieux dans mon achat d'aller vers l'électrique. Donc, ça peut influencer ça. Je reviens aussi sur l'économie circulaire. Vous devez vous demander c'est quoi le rapport. On souhaite donc le prolongement de la vie des objets. L'économie circulaire, c'est en fait de peut-être pas acheter neuf tout de suite. Fait que les Kijiji de ce monde, si moi, je veux changer mon mobilier, mon sofa, mais j'ai une petite voiture, des fois, je me dis, ben, c'est compliqué, j'ai un bon prix, je viens de le voir là. Il n'est pas loin, il est à Mirabel, ceci, cela. Mais je vais quand même acheter chez Bourg et Martineau parce que je ne peux pas aller le chercher. Ça, la camionnette électrique, nous, on souhaite aussi, on va en faire la promotion de mousser un petit peu l'économie circulaire locale. Anne-Sophie, tu peux transformer. Évidemment, je vous laisse je ne veux pas m'attacher là-dessus. J'aimerais mieux passer beaucoup de temps, ou bien plus de temps, en fait, le temps qui reste. Un petit 10 minutes, ça passe très vite. Le comment, ben, il faut prévoir qu'il y a du temps horaire à donner à un employé. Donc, en tant que ville, il faut voir ces choses-là arriver. Je souligne que l'inscription pour l'autopartage, nous, on a décidé de le faire en présentiel. C'est une façon, évidemment, de rencontrer les gens, mais dans un contexte de changement climatique et puis d'action climatique à mettre en branle, il y a d'une part la responsabilité de la municipalité de s'engager à le faire, et après ça, il y a une responsabilité aussi, le prolongement de cette responsabilité-là, qui est en fait l'accompagnement auprès des résidents et des commerces de proximité pour l'engager aussi. Puis le fait de rencontrer notre monde, ça rejoint cette idée-là, en fait, de mettre un peu de chaleur humaine dans tous ces grands changements qu'on a collectivement et individuellement à entreprendre dans les prochaines années. C'est ce qui s'en vient, on ne peut pas l'éviter. Un petit mot sur l'emplacement de la zone. Ce qu'on appelle la zone, c'est l'endroit optimum où laisser la voiture en autopartage. Nous, on a choisi la bibliothèque à Prévost. Pour ceux qui connaissent la ville de Prévost, on n'a pas de centre en tant que tel. C'est une fusion de 3 municipalités, Chambutte, Prévost et Le Sage. Donc, ça fait comme un cotonnetier, un cultif à 3 cotons. Donc, il fallait être un peu stratégique pour la placer au bon endroit. Et ce n'est pas l'endroit où elle est utilisée à la ville. Donc, il y a ce transfert-là à prévoir pour certaines villes aussi. Je les passe. Vous les voyez là. Je dirais ce que je vais dire à la fin, en fait, c'est que je n'aurai sans doute pas le temps de dire tout ce que j'ai à dire, comme je disais. Et donc, à la fin, à mes coordonnées, moi, j'invite vraiment toutes les municipalités qui souhaitent en savoir plus long, des choses qu'on n'aura pas développées. Je vous invite à m'appeler, puis d'en discuter en Zoom ou au téléphone, ça va me faire plaisir, c'est même mon mandat. Le pourquoi, c'est là que je trouve c'est un peu le plus important. On est habitué dans les villes, il y a des raisons classiques pour mettre un projet en place.
C'est souvent un service qui, bon, tout le monde en parle, on va voir comment on peut le faire nous aussi. C'est un petit peu faire, peut-être pas comme tout le monde, mais pas loin de ça. Il y a la rentabilité. On ne mettra jamais en branle un projet qui est déficitaire en sachant qu'il est déficitaire. Oui, puis là, je rajouterais, mais, puis on va le voir plus tard, il y a aussi l'image de dire, bon, ben on est à la page, puis on rayonne par une action, en fait. Mais au-delà de ça, il y a ce que j'appelle les chemins de traverse, puis c'est là que ça devient intéressant dans un contexte de changement climatique où la connaissance climatique est différente, en fait, à l'intérieur d'une ville, entre les gens dans la ville, entre le conseil et ses fonctionnaires, entre la ville et les résidents et les citoyens. Donc, c'est important pour une ville de comprendre que ces pas qui sont faits vers la réduction des gaz à effet de serre, entre autres, entrent dans une logique, dans une éthique qui est de plus en plus facile à défendre quand on pense tout le temps un petit peu à réfléchir en termes de stratégie. C'est un peu là-dessus que j'aimerais aller. J'ai parlé déjà de l'expérience offerte aux citoyens, en fait, pour que ça les influence dans leur achat, eux, de voitures, de prochaines voitures. Et je reviens à l'accompagnement qui devient de plus en plus une responsabilité ville de le faire avec les gens, non seulement de le faire pour elles, pour faire ses devoirs, en fait, mais d'être en relation continue avec sa communauté, puis de faire que chaque pas vers chaque projet, chaque mise en œuvre d'un projet, on est prévu une communication puis une interaction avec les citoyens. Là-dessus, je vous invite encore une fois, si sentez-vous bien à l'aise, puis même je vous encourage à m'appeler si vous avez des questions. Sinon, est-ce qu'on a encore un peu de temps pour les questions, Sophie? Je pense qu'on va faire toutes les questions à la fin, parce que le temps file malheureusement, mais merci beaucoup pour cette super présentation très inspirante, Stéphane. Maintenant, je vais passer la parole à M. Maurice Couture, créateur du Living Lab Laurentide en adaptation au changement climatique et en réduction des GES. Qui est impliqué dans le domaine touristique depuis plus de 25 ans. Monsieur Couture a développé de nombreux champs d'expertise, dont la gouvernance, l'innovation et le développement durable. Donc, à vous la parole, Monsieur Couture. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon. Le code de la navette, je vais tout de suite passer à la prochaine. Je vais vous faire une présentation du Living Lab rapidement. Les origines du projet, la réflexion, les évolutions du projet, parce que ça a quand même changé en cours de route, et l'élargissement de la réflexion qui a été plus dans le sens de la mobilité durable en cours de chemin, et ce qui a à suivre, là, les prochaines étapes qu'on souhaite que le projet se réalise. Donc, la présentation du Living Lab. Ça a été initié en 2018, puis dans le fond, nous, c'est que dans les Laurentides, on a fait une étude sur l'impact des changements climatiques sur l'industrie touristique. En 2012, avec Uranos et la chaire de tourisme, on avait fait ça en conjointement avec les cantons de l'Est. Et puis, bon, c'était clair qu'il fallait être proactif et agir. Donc, un des éléments qui nous a amené à dire qu'il faut initier des projets d'adaptation, on a mis en place un Living Lab là, pour faciliter cette approche-là. Dans le fond, on a été en appel de projet à travers le Living Lab, puis on a eu des fonds du Fonds d'action québécois en développement durable. Il y avait un fonds pour l'adaptation au changement climatique. On était le seul projet touristique accepté. Dans le fond, on s'est impliqué dans différents projets. Un gros projet qui continue, c'est l'adaptation des sentiers de randonnée. Il y a une prochaine étape qui s'en vient. Il y a le parc du Petit-Train du Nord, sur lequel on avait travaillé aussi, plus au niveau de l'asphaltage avec du verre recyclé. Puis un projet de diminution de compensation des GES qui a été mis un peu sur la glace, là, parce que quand on s'apprêtait à faire un pré-lancement puis une réflexion là-dedans, on est tombé en pleine COVID. Et finalement, le projet de navette électrique de Saint-Sauveur. On peut aller à la prochaine. Le Living Lab en tant que tel, c'est accompagner les entreprises et les destinations des Laurentides dans l'identification, le développement, l'expérimentation de solutions. Donc, le Living Lab, ça se déplace, ce n'est pas un laboratoire qui est fermé, c'est un laboratoire très axé sur l'innovation ouverte. On mise aussi sur, dans le fond, le partage de connaissances entre plusieurs détenteurs de connaissances. Autant les travailleurs, les clients, les experts, tout ça est mis ensemble pour brasser des idées.
et on donnait aussi un soutien au projet là, rapidement. C'est un peu l'essence du Lean Lab. Prochaine. Un élément important, c'est qu'on fait partie des projets et des éléments retenus pendant la programmation d'Uranos. Donc, ils ont différents secteurs, programmes, là, environnement maritime et autres. Et il y avait un volet touriste. Et dans l'intérieur de tout ça, le Living Lab était reconnu comme un des projets d'Uranos. Donc, ça nous donne aussi la crédibilité. Un élément qu'on a mis en place, en plus de gérer ou s'impliquer dans le soutien de projet, c'est une veille stratégique en adaptation au changement climatique, où finalement, on partage l'information auprès des gens qui nous suivent là, pour, sur des enjeux d'adaptation au changement climatique en tourisme. Donc, prochaine. Les partenaires, ben, c'est un bébé de Tourisme Laurentides. C'est géré par le créneau. Moi, j'étais avec le créneau Accor, qui est un outil de développement de Tourisme Laurentides. Et on avait Uranos, qui est demeuré un partenaire. Cégep de Saint-Jérôme, le Conseil régional de l'environnement, la SADC des Laurentides, qui sont les principaux partenaires qui ont continué de travailler avec nous dans l'événement. L'origine du projet, nous, on a fait des rencontres sectorielles avec les organisateurs d'événements majeurs, le plein air et autres. Et avec l'événement des événements majeurs, il y a l'enjeu de l'engorgement du centre-ville de Saint-Sauveur qui est sorti comme un enjeu, surtout à cause soit lors de la tenue d'événements ou lors de périodes touristiques là, de pointe. Et c'est un projet qui a été retenu puis a été présenté par la Chambre de commerce à l'époque de Saint-Sauveur-des-Monts. Puis là, on a recruté d'autres partenaires pour se joindre à la démarche, dont la ville de Saint-Sauveur, Les Sommets, qui est une entreprise importante qui a plusieurs stations de ski, les événements comme le Festival des arts, la Chambre de commerce là, qui sont venus se joindre au groupe. On continue. L'objet initial là, du projet, c'était de diminuer le trafic pendant les périodes de pointe, les périodes de fort achalandage et d'augmenter la fluidité des déplacements. Il y a beaucoup de gens qui convergent vers le centre-ville, ça tourne en rond. Souvent, il y a des gens qu'on s'est aperçu là, qui connaissent moins bien tous les stationnements et autres. Donc, ça, c'est aussi un élément important là, qu'il fallait regarder. On peut continuer. Donc, les solutions à envisager, c'était de mettre en place une navette avec un autobus électrique. Bon, bien entendu, la présence, la proximité de Lyon, ça a été un facteur important. Initialement aussi, c'est qu'on était très inspiré par la ville de Saint-Jérôme qui a mis en place un service de navette plus dans un contexte d'institution de formation, le Cégep pour l'universitaire polyvalente. Et même, on les a rencontrés, on a eu une très bonne collaboration de leur part pour commencer à réfléchir à notre projet. Et donc, l'idée de base, c'était de louer un autobus de 22 passagers, 100% électrique, modulable, correspondant à l'autobus Lyon-M. Ça, c'est l'autobus qui a été l'idéal pour faire notre projet, mais il était pas tout à fait encore sur le marché quand on voulait aller en test. Peut-être continuer, je revenais tantôt sur le cas de Saint-Jérôme, je pense qu'il y a encore des collaborations possibles à ce niveau-là. Réflexion et évolution du projet, il y a eu la définition du projet de ses objectifs, il y a eu la rencontre avec le transporteur, il faut une sorte d'autobus électrique, il y a aussi eu des rencontres avec un transporteur, parce que souvent il y a des transporteurs qui ont des territoires désignés par le ministère des Transports, la Commission des Transports. On a eu un projet de démonstration de la navette lors d'une journée de l'environnement où la navette de Lyon qui était disponible a été déplacée à l'hôtel de ville de Saint-Sauveur et des citoyens pouvaient la visiter et voir c'est à quoi cette navette-là électrique là, qui aurait pu être mise en place dans la ville. L'autre chose importante, on a fait un sondage auprès de la clientèle, un sondage là, qui visait autant la clientèle touristique via la chambre de commerce qu'un sondage qui visait les résidents à travers la ville. L'autre aspect qu'on a fait, c'est la validation des places de stationnement. On a eu quelqu'un qui, pendant une bonne partie de l'été, qui a validé les espaces qui étaient disponibles dans les différents stationnements publics de la ville, les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, là, pendant plusieurs mois de l'été, pour voir comment les stationnements étaient réellement utilisés en période là, de pointe. On a aussi commencé à envisager une demande de financement pour la mise en œuvre d'un projet pilote. Parce que idéalement, on a beau réfléchir, penser à tout ce qui va avec ça, la meilleure façon de compenser pour réellement aller de l'avant avec un projet comme celui-là, c'est de le tester pendant un certain temps. Donc, de pouvoir lancer, dans le fond, le service, de faire réagir puis d'avoir le feedback des touristes qui l'auraient essayé, de voir ce qui a bien marché, pas bien marché, de sonder clientèle, voir comment les résidents se positionnent, etc. Donc, ça,
L'idée de base, c'était d'aller jusqu'à un test, là, une expérimentation de notre projet. Et là, là-dessus, finalement, on n'a pas pu aller plus loin, mais je pense que c'est encore dans les cartes là, de pouvoir éventuellement tester le service dans les mois ou sinon les années qui s'en viennent. L'autre chose, les défis, c'est d'arrimer les passages de la navette avec les autres services offerts. Donc, le stationnement, etc. Donc, ça, c'est un élément important. L'autre chose, ça impliquait que si on veut que la navette soit efficace, de retirer des cases de stationnement sur rue. Actuellement, si on a une navette et elle est prise dans le trafic avec les autres véhicules, ce n'est pas très, très winner comme approche. Il fallait réellement que la fluidité de la navette puisse être assurée. Et pour faire ça, ça impliquait de retirer des cases de stationnement sur rue pour pouvoir offrir un tel service. Et donc, là, on parle de concertation, sensibilisation des commerçants, etc., là, quand on parle de stationnement. L'évaluation des trajets possibles, il y avait deux scénarios. Ben, en fait, on a travaillé surtout le scénario estival qui visait à désengorger le centre-ville, mais on avait aussi un scénario hivernal qui aurait servi davantage à faire le lien entre les stations de ski et les commerces de différents endroits de la ville, notamment ceux du centre-ville puis les stations de ski à proximité. On peut continuer. Donc, il y avait deux trajets là, qui ont été identifiés, là, qui étaient d'une durée d'à peu près 20 minutes. On fallait que dans le fond, que ça soit quand même assez rapide pour faire en sorte que les gens aient le goût de dire « bon, OK, je me stationne, puis en même temps, mais je gagne du temps ». Avoir des stationnements aussi à des endroits là, stratégiques pour ramasser les gens. Il y a un rapport qui est final, qui a été fait, là, qui a été déposé à ce projet-là, qui regroupait toutes les démarches qu'on a pu faire. L'autre élément qui est arrivé en cours de route, c'est qu'on est allé un petit peu plus loin dans la réflexion après avoir réalisé une bonne partie du projet, c'est d'y aller dans une activité de co-création qui s'est faite le 1er novembre 2019, et plus de réfléchir en termes de mobilité durable, de regarder la navette, mais aussi à travers d'autres possibilités au niveau de changements technologiques ou de modes de transport qui pourraient être mis à contribution. Donc, on a regroupé, tu peux revenir en arrière, on a regroupé des représentants de la ville, des milieux d'affaires, des citoyens, et on a fait venir aussi des experts. Il y avait un représentant d'Uranos, d'Innové, de l'Institut Véhicule Innovant, il y avait un centre d'incubation et d'accélération en mobilité intelligente, qui eux étaient là plus pour le volet stationnement intelligent. Et il y avait le projet Mirabel Cyclo-Branché, qui dans le fond est un projet là, avec vélo électrique branché un peu comme on connaît à certains endroits. Donc, tout ce monde-là sont venus pendant une journée réfléchir ensemble à comment on pourrait accroître, améliorer la mobilité durable dans Saint-Sauveur, tout en tenant compte des projets en cours, de ce qu'on a pu avoir comme données sur les stationnements, ce qu'on avait accumulé. Donc, ça a été intéressant. Ça nous a amené à regarder le projet de navette et de voir et regarder aussi d'autres aspects pour compléter la mobilité durable dans la ville et le centre-ville de Saint-Sauveur. Il y avait des circuits puis des propositions en termes au niveau du vélo. La question des stationnements qui n'étaient pas utilisés à leur pleine capacité, bien, ça nous a amené aussi à réfléchir aux notions de stationnement intelligent qui informe davantage ou qui informe mieux les usagers de la route sur les espaces disponibles dans les différents stationnements. Donc, plusieurs aspects comme ceux-là qui font en sorte qu'on accroît la mobilité durable dans une ville. On peut passer à la prochaine. Donc, ce qui est à suivre, dans le fond, j'avais une vidéo qui était là qui dure 2-3 minutes, mais si c'est possible encore, je ne sais pas si je serais resté dans les temps. Mais il y a des vidéos, on peut vous fournir les liens. Dans le fond, Living Lab Laurentide sur YouTube, vous allez là-dessus. On a deux vidéos actuellement, un sur notre projet de l'adaptation de sentier et l'autre sur le projet de mobilité durable à Saint-Sauveur. Et ça vous donne une bonne idée. En fait, il est 4 minutes 42, donc c'est un petit peu trop long. Mais on peut aller le voir. Et nous, dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse aller de l'avant éventuellement puis trouver des façons de financer un projet de démonstration à Saint-Sauveur où on pourrait réellement tester, expérimenter la navette électrique en mettant en relation ou en impliquant un transporteur qui a la permission d'offrir ça sur le terrain. Idéalement de mettre à contribution aussi Lyon là, avec un de ces autobus, les différents partenaires, là, chambre de commerce, ville, les grandes entreprises du secteur qui peuvent faire en sorte que ça fonctionne bien.
Donc, c'est un projet qui n'a pas été complètement réalisé, mais il y a toute une réflexion, puis on pourrait aller, j'imagine, facilement à une prochaine étape, là, si la volonté est là. Merci beaucoup, M. Couture. Donc, on va terminer rapidement avec les outils, formations et subventions qui existent là, pour mettre à projet, pour mettre en œuvre là, les beaux projets que vous pouvez avoir. Vous avez été inspiré d'ailleurs là, avec deux belles idées qui se sont faites sur le terrain des Laurentides. Donc, je vous rappelle l'existence des deux guides là. Le guide de roulons électriques sur les véhicules rechargeables plus grand public et le guide de l'IVI là, sur l'électrification d'une flotte de véhicules qui vous guide vraiment dans le processus. Il y a deux sites Internet que vous connaissez sûrement, mais qui regorgent là, d'outils pour les véhicules grand public. Il y a le site de l'AVEC où vous pouvez retrouver plein d'informations générales sur les bornes de recharge, sur les véhicules, des capsules vidéo informatives, des informations sur l'utilisation hivernale, des guides d'achat. Et il y a aussi un catalogue là, de véhicules qui donne de l'information un petit peu là, comme vous pouvez voir en bas ici. Et il y a aussi le site de roulons électriques qui a aussi plein d'informations incluant une liste de subventions si jamais là, il y en a que vous n'avez pas eu le temps de noter aujourd'hui, c'est sur leur site internet à l'exception de celles pour les bornes. Ils ont aussi là, un catalogue de véhicules comme celui en bas et de mes recherches, c'est le plus complet là, de celui que j'ai vu. Il y a un calculateur pour les besoins, pour voir quel type de véhicule pourrait vous convenir en fonction du kilométrage que vous faites, du nombre de places que vous avez besoin, etc. Et il y a aussi plein de capsules vidéo là, qui se retrouvent sur ce site-là. Donc, c'est vraiment, si vous voulez aller chercher de l'information de base, ces deux sites-là regorgent vraiment d'informations. C'est sûr que vous allez pouvoir trouver réponse à vos questions là. Il y a aussi différents organismes qui offrent de l'accompagnement pour vous aider. Là, je ne vais pas vous les nommer parce qu'on ne veut pas faire de la publicité pour un ou pour l'autre. On ne sait pas nécessairement lesquels offrent les meilleurs services, mais sachez que si vous faites une recherche sur Internet, là, il y a plusieurs organismes au Québec qui peuvent vous aider dans vos projets. Pour ce qui est des formations, ben il y en avait quand j'ai commencé à planifier tout ça et ils ont été retirés quand j'ai regardé la semaine dernière. Mais sachez que le webinaire que vous avez d'aujourd'hui, si vous avez manqué de l'information là, dans ce qui s'est dit dans un des trois panélistes, là, ça va être sur le site internet de roulonselectrique.ca dans la section capsule régionale sous la région des Laurentides. Vous allez pouvoir revoir l'entièreté là, du webinaire d'aujourd'hui. Et sinon, il y a aussi des webinaires thématiques sur le site de roulons électriques, notamment sur comment utiliser l'électrification des transports comme moteur de relance économique verte, comment choisir son véhicule électrique, la recharge, la conduite hivernale, les coûts économie, environnement, est-ce que c'est vraiment environnemental un véhicule électrique ou pas. Donc, il y a plusieurs webinaires là aussi. Donc, les subventions, quelque chose peut-être là, que vous cherchez plus comme information, mais sachez que les municipalités sont admissibles au rabais à l'achat comme tout particulier, en fait, donc pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Par contre, c'est maximum 10 rabais par véhicule neuf par année. Les subventions, il y en a au fédéral, il y en a au provincial, ils sont cumulables. Donc, on peut aller jusqu'à 13 000 $ pour un véhicule neuf. Il y a le programme Rouler vert au Québec pour les véhicules neufs. Où vous pouvez avoir 8 000 $ pour un véhicule électrique ou 500, 4 000 ou 8 000 pour un véhicule électrique rechargeable, hybride rechargeable, pardon, selon la capacité de la batterie là, du véhicule. Il y a aussi une subvention qui existe pour les véhicules usagés, les véhicules d'occasion. Par contre, c'est vraiment difficile à avoir. Là, il y a une liste de véhicules très courtes qui sont admissibles. Il ne faut pas que le véhicule aussi ait déjà eu une subvention à l'achat neuf. Donc, il faut que ce soit un véhicule qui a été immatriculé pour la première fois au Québec. Donc, un véhicule qui vient d'ailleurs, mais qui a été acheté au Québec. Donc, ça existe, mais c'est plutôt difficile.
Sinon, au Canada, il y a aussi une subvention pour les véhicules neufs, soit en achat ou en location. Ça couvre les deux, 5 000 ou 2 500. Peu importe que ce soit hybride, rechargeable ou électrique, là, ça dépend vraiment de la batterie. C'est plus ou moins que 15 kWh. Et si c'est en location, bien, ça varie selon le temps de location que vous avez choisi. Il y a aussi au fédéral une nouvelle catégorie d'amortissement aux fins fiscales, deux nouvelles catégories, la 54 et la 55. Par contre, vous ne pouvez pas avoir ça et la subvention à l'achat. Il faut choisir entre les deux. Donc, dépendamment des contextes, un ou l'autre peut être plus avantageux, mais sachez que vous ne pouvez pas avoir les deux. Il y a aussi la Fédération canadienne des municipalités qui offre des subventions pour des projets d'immobilisation qui touchent la réduction des combustibles fossiles dans les parcs de véhicules. C'est un mélange de prêts et de subventions qui couvre jusqu'à 80 % des coûts admissibles. Et là, celle-là, c'est une des rares qui, c'est pas juste pour le matériel, ça couvre vraiment tout ce qui entoure le projet. Par contre, ça demande un gros dossier pour faire un dépôt. Ça prend une étude de faisabilité parce qu'il faut avoir une cible de 20 % par rapport à une mesure de référence déjà établie. Par contre, sachez qu'ils offrent aussi des subventions pour l'étude de faisabilité en soi ou pour des projets pilotes si jamais votre projet d'électrification est vraiment un pilote. Il y a Transporté vert par le MERM pour les entreprises, municipalités, organismes publics qui ont des parcs de véhicules. Il y a quatre volets au niveau de cette subvention-là. Il y a accompagnement pour la gestion de l'énergie. Donc, si vous choisissez de vous faire accompagner, là, il y a moyen d'avoir des subventions pour ça. Acquisition des technologies, formation à l'éco-conduite et pour les bornes de recharge aussi. Et ça permet le cumul des financements gouvernementaux aussi jusqu'à 75 %. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail là, pour l'accompagnement. Ça couvre 50 % des coûts jusqu'à 30 000 $ de dépenses liées à un accompagnement. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider dans votre projet, ça couvre vraiment tout du départ, là, le bilan de la consommation de l'énergie, des émissions de GES, ensuite de ça, pour l'implantation des mesures qui sont ressorties des besoins du bilan, ensuite de ça, pour faire le suivi aussi. Donc, c'est vraiment pour un accompagnement du départ jusqu'à la fin, là, cette subvention-là. L'acquisition de technologies, ben en fait, ça couvre l'acquisition de véhicules neufs, mais aussi la conversion. Donc, achat de véhicules neufs, ça couvre autobus, minibus, camions légers, donc pick-up, minivan, etc. Véhicules utilitaires électriques à basse vitesse, comme l'image qu'on voit juste à côté. Mais des véhicules à basse vitesse vraiment faits pour le chargement. Là, vous avez une liste sur le site Internet des véhicules qui sont admissibles. Et finalement, ça couvre même les vélos cargo à assistance électrique. Là. Et pour la conversion, bien, c'est principalement camions légers et autobus, minibus là, qui sont couverts par cette subvention-là. Ensuite de ça, pour les bornes de recharge, il faut que la personne qui fasse la demande possède déjà ou soit en voie d'acquérir un véhicule ou un véhicule hybride rechargeable pour pouvoir faire une demande. Donc, ça ne peut pas être pour une borne entièrement publique. Là. Ça couvre 50 % des coûts d'acquisition ou d'installation et le montant varie encore une fois là, selon la batterie du véhicule. Et on peut faire une demande conjointe si on a un bâtiment partagé avec plusieurs organismes ou il peut y avoir jusqu'à trois organismes partenaires qui se regroupent pour faire une demande commune avec ce programme-là. Et pour les bornes, toujours, remboursement pour une borne au travail. Encore une fois, il faut vraiment que ce soit pour les employés. Ils demandent de prouver là, que la borne sert pour l'entreprise. Ça couvre soit l'achat ou la location. Donc, les connecteurs, les bornes sont couvertes par ça, avec un maximum de 5 000 $ par borne ou par connecteur. Et finalement, on a la subvention du MTQ pour l'éco-camionnage. Celle-là, c'est pour les véhicules lourds. Donc,
toutes les autres, là, c'était camion léger. Si vous êtes dans le lourd, c'est là que ça se passe. Par contre, ils sont en train de réécrire une nouvelle version là, du programme. Fait qu'on n'a pas les détails. Là. On ne sait pas pour les prochaines demandes, ça va être exactement combien et tout, là. Donc, voilà, on est une minute en retard, pas super, pas super. Donc, voilà, là, dans le fond, je vais vous laisser un petit temps pour les questions, si vous en avez. Ceux qui désirent rester, on reprend à 11h là, pour le volet 2, pour le lancement de notre projet régional qui inclut des accompagnements municipaux notamment. Et ben, je vous invite à aller sur le site de Roulon Électrique si vous voulez revoir le webinaire en cours ou participer au concours ou autre. Et gênez-vous pas pour leur écrire au besoin. Donc voilà, je vais arrêter mon partage d'écran. Et s'il y en a qui ont des questions, ça serait le temps. Si vous avez des questions, mais peut-être... soit lever la main ou s'il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez dire « Ah oui, Sébastien Simard, tiens, tu peux y aller. » Bonjour, je ne sais pas à qui j'adresse ma question, mais s'il y a quelqu'un qui peut me répondre, dans le fond, la municipalité souhaite peut-être aménager des bornes de recharge pour les vélos électriques. On est dans le fond sur le bord de la piste cyclable du Petit-Train du Nord. Si on a dans le fond un parc ou des endroits où ça pourrait être possible d'aménager, j'aimerais peut-être juste avoir une idée de direction où aller chercher l'information. Pour les bornes de vélo, je ne sais pas si, Charles, vous avez de l'information, vous, sur ça? Non, c'est la première fois que je me fais poser la question. C'est intéressant quand même. À ma connaissance, les vélos électriques rechargent sur du 120 volts. En tout cas, les vélos électriques que j'ai vus et vendus dans une autre vie précédente. Mais... à voir, peut-être que c'est simplement l'installation de prise 120 volts. Peut-être qu'il y a des programmes, mais je ne connais pas. Et, en tout cas, pour peut-être ajouter, je sais que peut-être à Saint-Jérôme, parce que je me suis fait dire que peut-être à Saint-Jérôme, le long de la piste cyclable du Train du Nord, il y avait déjà des bornes qui avaient déménagé. En tout cas, je posais la question à tout hasard s'il y avait quelqu'un qui avait un peu plus d'informations. Sinon, je vais me renseigner. C'est correct. Ça aurait pu, désolé. En fait, on s'est vraiment concentré sur les véhicules. On avait pensé regarder les vélos électriques aussi, mais comme on manquait de temps, on s'est dit on va rester dans les véhicules. Mais si jamais je vois quelque chose passer, j'ai noté votre nom. C'est la municipalité pour laquelle vous travaillez, c'est quoi? La municipalité de Piémont. Piémont. Fait que si jamais je vois passer quelque chose, je vous le transférerai, je vous l'enverrai. Je ferai des petites recherches. Là, puis, Merci beaucoup. Pas de problème. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour un de nos trois panélistes? Bon, ben excellent. Donc, je pense que c'était clair et complet, vos présentations. Merci beaucoup, tout le monde. Je vous laisse aller et n'oubliez pas, si vous voulez rester avec nous, là, on a un petit 10 minutes de pause et on revient à 11h.